Bonjour! C'est moi, c'est toujours Yakipon pour le stream d'Eva Sound Studio, tout ça, tout ça. Et on va continuer tranquillement sur Hollow Knight. Alors tranquillement, parce que bah, la dernière fois on s'est fait torcher la gueule juste en fin de stream, ça a été très compliqué. Donc on va reprendre calmement, on va reprendre nos esprits, on va voir si on a la carte, si on retrouve le bouton. On a la carte! Ce qui est déjà sympa. Et on a le banc. Et nos pouvoirs sont plutôt corrects. Donc on va repartir. Et on va repartir vers le haut, ça serait bien. Enfin, on va voir où c'est qu'on peut aller. Tout ça, tout ça. Retrouvons les boutons gentiment. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a un ascenseur ici? Non, pas du tout. Donc on se casse. Ah, c'est fermé. Est-ce qu'on peut passer par en bas? Mais est-ce qu'on est... Pas du tout. Est-ce qu'on est venu ici? Oui, on peut redescendre. On continue à descendre. Ok. Allez, zou. Tous les chemins ne sont pas ouverts. Ah oui, non, mais il n'y a rien qui est ouvert en fait. Bonjour toi, salut. Bonjour. Ah oui, d'accord. Il y en a vraiment pas beaucoup. On se casse, on se casse. Aïe. Vous m'avez gonflé. On va se soigner tranquille. Au revoir. Bon, ça c'est ouvert. Sauf que, on est où? On est vraiment dans la misère. Ça c'est dangereux. En fait, je peux pas remonter. Toc, toc. On va repasser par là, ça sera plus simple. Bon, là aussi c'est fermé en bas. Oh non, pas ça. Et en bas, je peux pas y aller. Ouais. Bon. Allez! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ok. Est-ce qu'on n'en venait pas d'ici? Je sais plus du tout. Non, parce que sinon, le banc m'aurait dévoilé la position. Ok. Est-ce qu'on va là-bas? Je pense que c'est une bonne idée. Ok. Comme ça, au moins, on peut ouvrir ça et avoir le coffre avec moult argent. Ce qui est plutôt sympa. Oh non. Ça, c'est pas cool. Trop bas. Mais punaise, pourquoi il s'est foutu là-dedans, cet imbécile? Le premier, je l'ai fait tranquille. Non, toujours pas. Est-ce que j'essaierai pas d'y passer à pied? Bon, au final, on va se calmer, on va reprendre ça depuis le début tranquillement. Voilà, tout simplement. Pas besoin de se presser. Allez, on s'en va. Où c'est qu'on doit aller? Oh, larve, merde! Ok, donc là on reprend. Ici. Et ici on n'y est jamais allé. Eh bien, soit. Non! Non, sois cool. Merci. Alors. Hop, merci. Je sais pas où je vais en fait. C'est ça le souci.
c'est que là je reviens sur des sur mes anciens pas. Quand j'étais monté, gna gna gna. On va essayer de monter le plus haut possible. C'est parti. Ici j'y suis déjà allé par contre. C'est une erreur que ce que je fais. C'est pas grave. On prouve qu'on a du skill et on le refait à nouveau, sans se planter. Parce qu'on est fort. Alors, faut pas réfléchir, faut monter. On monte, allez, on monte. Ah d'accord, bonjour, merci. Merci d'être passé. Vous, avant, il m'a donné une âme. D'accord. Il m'a donné une essence, pourquoi pas. Donc on continue de monter. Est-ce qu'on a vu la carte? Oui, c'est bon. Ok. Ok, 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 ok. Ok, on monte. Là, on n'était pas monté parce que c'était la galère. Je peux pas monter d'ailleurs là. Je vois le laser arriver, je vais dedans, c'est bien ça. C'est plutôt sympa. Ici, il y a quoi? Ben, le banc que j'avais trouvé. Que j'ai juste trouvé avant. Ben, on va mettre à jour notre carte dans ce cas-là. Vite fait, bien fait, et on repart. Hop, voilà, carte mise à jour. On est bien, on est bien, on est bien, au revoir. Et on essaie de monter plus haut. Ok. Laser là, laser là. Pff, ça va. Ah, pourquoi je tombe? Et est-ce que là, à côté du gros monsieur, il y a un truc sympa? Entends-toi, s'il te plaît, merci. Ou c'était juste gratuit pour... Ouais, c'était juste gratuit. Allez, au revoir. On bouge, on bouge. Non. Tiens, j'aurais assez d'argent pour m'acheter une clé. Pour la mettre où, je sais pas, mais... T'es Quirrell. Bonjour, Quirrell. Oui, n'est-ce point? Ce n'est pas... Je ne suis pas surpris que tu aies survécu au long périple de ces cavernes chatoyantes. Il émane une sorte de force en toi, cela serait très intimidant si tu n'étais pas si petit. Oui, d'accord, on dira ça. Au revoir, Quirrell. Non, là, y'a rien. Alors, maintenant... Là, c'est une zone qu'on ne connaît point. Et je peux pas monter, là? Non. Ah, quoique. Ah non, je peux pas monter plus haut. Allez, monte. Non, il veut pas. Bon, tant pis. Ou alors, je sais pas rebondir là où il faut. Au choix. Salut! Bon, ici je ne peux pas monter. Très bien. Donc on descend. J'avais pas prévu le coup au corps à corps. Oh, il y a un truc là. Comment on fait déjà? Comme ça. Et nous trouvâmes Moutaboulas. C'est quoi ça? C'est un ennemi. Oh là! D'accord. Mais décidément, quand le jeu décide qu'on se fasse bolosser, on se fait bolosser. Un affront. C'est pas du tout à quoi ça sert. Par contre, se soigner est plutôt sympa. N'est-ce pas? Voilà. Doudoudou. Donc là, il n'y avait que de l'argent. C'est pas grave. Faut que je continue à faire attention. Là où il y a un bonus.
continue à faire attention. J'espère que le bonus vaut la peine. Merde. Vite. Journal d'un voyageur. On sait toujours pas à quoi ça sert, mais ce n'est pas grave. Ok, ça c'est cool. Allez, fais demi-tour. Merci bien. Il n'y a pas de passage secret. Donc on descend. Non, on est descendu bien bas. Hein. Ça pour ouvrir le passage. Juste ici. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. On continue. Il y a les mêmes inscriptions par contre que sur le journal du voyageur. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un monstre? Ou est-ce que c'est du décor? Oh, il y a un larve, merde, je l'entends. Ah, il est là-haut. Je peux pas encore aller le chercher. C'est pas grave. Est-ce que c'est du vide? Pourquoi la musique, elle s'énerve? Du mana, ouais, j'ai tout pris alors que j'aurais dû d'abord me soigner et après j'aurais dû prendre le mana. Idiot. Ok. C'est pas très compliqué, dit-il avant de mourir. Lamentablement. Non, ça c'est pas cool. Ah oui, bon, bah, quitte à perdre 2 points de vie, on les perd, quoi. C'est très bête. Je veux y aller. Le pire, c'est que je peux pas trop le timer, en fait. Si ? Ou alors c'est moi qui fais n'importe quoi. Comme 90% des fois où je meurs. Je peux le timer de là ou pas? Ouais. Ok, cool. On va se soigner. Et on prend le mana. Et au final, ça donne pas beaucoup de mana. Ça pour aller où en fait? Donc là je peux pas y aller encore. Pourquoi la musique s'est arrêtée dès que je suis venu ici? Ça sent mauvais en fait. Ah oui, ça sent complètement mauvais là. Ah, je peux examiner. Ça sent le boss. Ah non! Ça sent le cadeau gratuit. Maintenez LT. C'est où LT? Ok. Oh, mais c'est pratique! Oui! Et on s'arrête un jour? Eh ben d'accord. C'est un pouvoir plutôt pratique pour se déplacer. Et donc je peux aller chercher l'arvo merde. Est-ce que ça fonctionne sur les murs? Ben oui, pourquoi ça fonctionnerait pas? Salut l'arvo merde, ça va? Oui! L'arvo merde fait. Maintenant on va chercher. Où c'est qu'on doit aller? Là où on est allé chercher. Non, c'est pas ça que je veux faire. Faudrait que je remonte sur le banc. Pour mettre à jour la carte déjà de 1. Est-ce que c'est ici? Oui. Non seulement on met à jour la carte, et je peux voir les endroits que je n'ai pas accédé. Alors dis-moi, raconte-moi. Je ne suis pas allé... Ouais. Ouais, mais il y a le vieux... Il y a le vieux qui nous avait filé le...
Il y a juste en dessous en fait. Bon, on va partir juste en dessous pour l'instant. Et après on va voir. Est-ce que je peux le faire d'ici? Genre... Oui! Est-ce que ça fonctionne sur le changement de carte? Oui, ça fonctionne exactement comme dans Metroid. Tout va bien. Je sais pas où on va, mais alors on y va, mais d'une force. Bonjour. Est-ce que je peux m'arrêter? Oui, je peux m'arrêter en plein voyage. C'est plutôt sympa. Là-haut, il y a l'air d'avoir que dalle. Et là, je sais pas où je vais. Donc on y va! Non, comment on annule? Comment on annule? On peut pas annuler! Non! Mais c'est relou! Pourquoi on peut pas annuler un truc pareil? Enfin, j'ai vu juste un dasher, genre. On va faire le méga dash of the dead. Oui! Ok. On va voir là. Pourquoi la musique s'arrête parfois? Genre, attention, c'est très mystérieux. Putain. Y'a. Je crois entendre un larve aux merdes. Ouais, en fait, je l'entends parfaitement. Oui, tu es larve aux merdes. Tu es là. Mais ça sent le piège, non? C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Eh bien, c'est nouveau. N'attendez pas à ça. Et il m'a tapé à deux ou c'est moi qui avais pas de vie? C'est pas grave. On va dire que c'est pas très loin cette fois-ci. Non, je vais encore tomber. Ok. C'est plutôt craqué que je puisse utiliser ça absolument quand j'en ai envie, quoi. Et je vais mourir. Oh, c'était close. Donc je disais que je vais chercher... je vais chercher mon âme, hein, en perdition. Hein. Bientôt, il y a même Ursula qui va venir la manger. Ok, on récupère tout notre argent. Et les mouches, vous êtes relous. Mais relous. Tire! Bon, me tire pas. Donc larve aux merdes là en bas. Qui n'est pas un vrai larve aux merdes. Est-ce qu'il faut le martyriser? Ah putain. Ah ouais, mais t'es vraiment pas sympa. Et y a pas un vrai larve aux merdes dans ce cas-là quelque part? Ah. On commence à connaître le jeu. Oui, le vrai est là. Ok. Enfin, j'espère que c'est un vrai. Ok, cool. On s'en va. On commence à comprendre les petits pièges de ce jeu. Jusqu'à ce que je tombe dans le prochain, mais après, c'est pas grave. Allez-y. Nous nous en allons. C'est quoi ça? Un joli ascenseur médiantre, mais que fait-il là? Oh! Et on retombe tranquillement au village. Ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que... Bonjour. Le fossoyeur. Et en voici un autre brandissant un aiguillon. Je suppose que vous allez laisser beaucoup de cadavres dans votre sillage. Si vous n'avez pas la moindre compassion pour les morts, pourriez-vous au moins considérer pour tout le travail supplémentaire que vous imposez à ceux de ma profession? Alors on va lire dans ses vraies pensées. Bonjour. Et je l'ai tué. Ok.
Eh bien, au revoir. Est-ce qu'il y a une nouvelle carte? Bonjour. Épingle de la tombe du guerrier. Oui, ça c'est plutôt pas mal, c'est pour voir les prochains boss. Au revoir. Enfin, les prochains boss spectre. Un petit banc pour sauvegarder parce que le banc c'est la vie. Et. Alors, qu'est-ce que je peux acheter? La clé. On va acheter la clé. Enfin, une clé, vu qu'on a bien vu la semaine dernière qu'elles étaient à usage unique. Et c'est reparti. Et donc, on va où en fait là? Parce que maintenant que j'ai un nouveau pouvoir, ça me dit vraiment pas où je dois aller. Donc, ça c'est nouveau, le mangeur d'âmes et les épines. Les épines, c'est bien ça. Les épines, c'est plus que bien. On va mettre les épines. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va enlever pour avoir les épines? La boussole. Non, la boussole, c'est très bien. Le truc pour éviter d'être... Ouais, on va lever le larveau merde. On va mettre les épines. Ça, c'est non. Non, pas ça. Ça, c'est nul. C'est nul, le Kamehameha. C'est nul, nul. La nullité, nul. On va aller voir les larves aux merdes pour qu'elles me donnent de l'argent. Parce que c'est cool l'argent, surtout par les larves aux merdes. N'est-ce pas? Ok. Au revoir. Salut! Bonjour les larves aux merdes. Oui! 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 Ah, super, un cadeau. J'aime bien les cadeaux. Un œuf France. Bon, bah, pourquoi pas. Bon, ça va. Merci, merci. Il m'en manque pas des masses. J'ai menti, il m'en manque beaucoup trop. Ok, bon. Nous nous en allons. De ce pas. J'ai 740... Bon, où c'est que je peux aller maintenant? Mon cristal. Alors en fait, je vais rester chez Larve aux merdes et je vais définir un plan. Alors je sais qu'à vers... Voilà, merci. La carte. La vraie carte. Voilà. Je sais qu'à vers chemin, je peux aller en bas en fait. Donc on va aller à vers chemin. Maintenant qu'on a le dash suprême. On va faire ça, pas vrai? Oui. On va aller à la station, le métro. Enfin, le vrai métro, pour l'instant, j'ai pas encore accès. Saute! Est-ce que j'atterris toujours de l'autre côté du puits? Non, pour une fois, c'est le bon. Ensuite. Salut! Bonjour! Oui, on va vers chemin. Petit homme. Des bois. Alors, vers chemin. On sauvegarde parce que j'ai pas envie de me retaper tout le chemin. Le chemin de vers chemin. Et on doit descendre et se mettre du côté gauche. Maintenant qu'on a des nouveaux trucs. Salut. Ah oui, donc les épines, c'est plutôt violent en fait. On les voit bien. Pas du tout, mais... Enfin, moi je les ai vus. Ce qui est déjà pas mal. Faut descendre. Oui, faut descendre. Sinon, il y avait une fleur. Une fleur carnivore, et je ne veux pas me faire manger. Donc, à partir d'ici, on va pouvoir utiliser mon super pouvoir. Voilà, c'est ici. Pas du tout. Oh putain! Donc, si on appuie sur le bon bouton, c'est mieux. Oui! Ah, ouais, d'accord.
Pourquoi la musique s'énerve? Non! On va soigner. Je le fais trop bas, c'est pas bien. Je le fais toujours trop bas. Je vais mourir ici? Non. Ah, j'avais pas vu en haut. Vilaine ronce. Et là, rien. Ah. Il me reste un point de vie. Ok. Et maintenant, est-ce que je fais la même? J'en ai aucune idée. Et je suis tombé. On recommence. On est mort. Pourquoi ce jeu est difficile? Tant pis. Allez. On va voyager vite et bien. J'en ai marre de faire des bêtises. Attends, je suis mort 3 fois contre un mur de ronce. Ça va quoi, ça suffit. J'ai marre de me faire bolosser. Donc je disais... Bon, lui, on peut le passer d'un premier coup. Oui. Pourquoi il s'est arrêté? C'est pas grave. Surtout que j'ai plus de mana du tout, quoi. C'est, j'ai 5 points de vie et c'est tout. Donc, ma némésis, le mur. Ok. Ensuite. J'ai failli tomber. Ok, bonjour Géraldine. Merci. Et là, je sais pas. Bon, bah, on va tenter le mur. Bonjour. Putain. Oh ouais, super, et puis... Et sans déconner, vous aurez... Vous auriez dû me laisser réapparaître à l'autre bout du niveau, ça aurait été mieux. On recommence. On va y arriver. Hein. C'est bien un jour aussi d'avoir plus de vie. Genre trouver des quarts de cœur et tout, ça pourrait être sympa en soi. Juste comme ça. Hein. J'oblige en rien le jeu de me donner de la vie. Allez, casse-toi. Le retour de Géraldine. Bon, et maintenant? Je suis sûr que ça passe pas. Pourquoi ça passe? Est-ce que ça c'est pour repartir tranquillement ou il y a un cadeau? Est-ce qu'il y a les 3 Suisses qui traînent par là? Pas du tout. C'est vraiment pour repartir, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est pour repartir, donc on va pas y aller. On voyage vite. On a voyagé trop vite. Allez, qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi la musique s'arrête encore?
Charmant qui dit arrêt de musique dit. Dit PLS. Un offrance encore. Ça sent le boss. Ça sent le boss. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. On peut se reposer, donc il y a un banc, donc il y a une sauvegarde. Donc ça sent très mauvais. Ah oui, ça sent très très mauvais là. Oui, c'est ça. Pour me stresser, faut juste couper la musique. Bonjour. Acheter une belle peinture. C'est Chéo, le maître d'aiguillon. Visiteur, pourquoi t'es-tu glissé ici, petit verre? Peut-être que comme moi, tu as le goût de la découverte. Ouais, on va dire ça. Je suis Chéo et dans une vie antérieure, j'étais maître d'aiguillon. Oui, la seule chose qui me poussait était de devenir plus fort et d'affiner mon talent avec un aiguillon. Je pensais que c'était ma seule vocation dans la vie. Mais ce sentiment disparut au fil du temps. Maintenant, je suis à la recherche d'une nouvelle vocation. Quelque chose qui touche mon âme et me pousse à aller de l'avant. Mais écoute, tu fais de la peinture, c'est très bien. Oui, voilà, peindre, sculpter, ces choses procurent un plaisir complètement différent. Tu ne sembles pas très ému par ce que j'ai dit. Était-ce Chéo, le maître aiguillon, que tu cherchais? Es-tu venu apprendre un art de l'aiguillon? Je t'en enseignerai si tu insistes. Bah oui. Quelle question à la con! Ouh, la peinture. C'est quoi? D'accord. En taille implacable. Maintenez X pour canaliser l'énergie dans l'aiguillon. Relâchez le bouton tout en maintenant la touche haut et ou bas enfoncée pour exécuter l'entaille en place. Hein? Pourquoi? Pourquoi je peux pas le faire comme... Alors mon travail t'a-t-il ému? Oui. Ne sont pas si différentes. Ouf, ouais. Pour le moment, je n'ai plus rien à t'enseigner le chemin à suivre. Toi seul peux le voir. Bonne chance. Au revoir. Bah, je peux le faire quand je veux. Bah oui. Et si j'appuie sur bas? Bah, ça fonctionne aussi. Donne-moi tes secrets. Oh gros, mon frère, qu'est-ce qui t'a poussé à te cacher au fond de cette tombe balayée par les cendres? Est-ce l'orgueil, la peur ou la honte? Peut-être devrais-tu ranger ton aiguillon si cela te hante tant. Ainsi, c'est vrai. Trouve-toi une nouvelle vocation dans la vie qui pourra apaiser ton âme. Et si je te réécoute, tu me dis quoi? Blabla. Rien du tout. Eh bien, merci. Merci. Au revoir, Michel. À tout à l'heure. On se repose. Bon, on a gagné un pouvoir en allant ici. Oh, va falloir partir dans l'autre sens. Mais... J'en ai marre de ce jeu. Pourquoi? Allez. Pas besoin de repasser par en bas. Est-ce qu'on peut passer par en haut? Ok. Oui. Pas trop. Non. Oh. C'est pas possible. Les respawns sont relous. Je veux juste voyager, moi. Mais pourquoi il s'est pas arrêté? Je comprends pas. On est d'accord qu'il faut que... Peut-être qu'il faut que j'appuie sur bas. Attends, on va faire des tests. Ah, faut appuyer sur A. Ok. Parce que si je trouve pas le bon bouton, moi aussi. Voilà. Flish. Ok, on a trouvé des raccourcis. Là, on est bien. Ça serait bien de retrouver un banc. Il y en a un juste au-dessus, mais il faudrait redescendre après. C'est pas grave. Quoique, le dernier banc qu'on a pris, c'était à côté. Donc on va sur la carte, on va en dessous. Là, en bas. Oui, on va faire ça. Elle est cool, la musique de Verchemin. Ne l'enlevez pas. Donc ici, est-ce que je peux faire ça maintenant?
Oui, tout ça pour un soda honnête. Monte, monte. Non. Mon personnage, il est complètement con. Et j'ai plus qu'un point de vie. Oh, Patrick Buisson. Viens. Donnez-moi du mana. Je suis en PLS. Oui. Au moins, on a deux points de vie. C'est plus que un. Les maths prouveront que j'ai raison. Au revoir. Ah, des mouches. J'avais oublié qu'elle faisait ça. Reviens. Patrick Buisson, tu me fais vraiment peur. Ok, on est full. Maintenant, on régène juste le mana en cas que. Comme on dit. Et on va où? On va en dessous. Là-bas. On va voir ce qui nous... ce que le jeu nous réserve vers là-bas. Pas dans le bain d'acide déjà, s'il vous plaît. Est-ce que c'est en haut? Oui, c'est là. Là, là, là. Alors si j'arrive à sauter, c'est bien aussi. On va tomber dans l'acide, c'est tout ce qu'on va gagner. Mais ici on est déjà venu. Merci Michel. Au pire, je peux faire ça maintenant. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Et c'est ici qu'on peut pas aller plus loin ou... Si, ici on est allé plus loin. Bonjour. Comment perdre 2 points de vie comme un imbécile? 3, pardon. 4. Bon, on va y arriver ou... Maintenant, que vais-je faillir? On me dit pas que je suis venu ici pour rien. Alors lui, j'ai failli me le manger, mais d'une force. Et comment je monte plus haut? Ok, donc il doit y avoir un truc en haut. Du moins quelque chose. Ce n'est pas possible juste de me laisser ça là quoi. En fait si c'est possible. Donc ça voudrait dire que c'est la sortie pour autre chose. C'est bien, il me faut juste rebrousser chemin. C'est pas grave. C'est pas comme si... J'ai failli tomber. C'est pas comme si on en avait l'habitude. Et là, il n'y a rien là. Non, il n'y a absolument rien. Bonjour. Non, mais non, mais j'ai plus envie d'être là, moi. C'est une blague. Il n'y avait rien. Pourquoi je suis venu ici? Comment on perd du temps? Non, 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 non. Bon, ça me saoule. C'est incroyable. Ça va, on n'est pas très loin.
Souvent qu'on a ça pour voyager plus vite, parce que punaise. Où c'est que j'en serais? Oh la vache. Et d'ici je peux le faire? Pas du tout. Non, on repart dans l'autre sens. Ah, j'ai fait n'importe quoi ce soir, c'est énervant. Reste calme. On reste très calme. On va faire ça. Bonjour. Ah, punaise, va falloir que j'aille chercher mon âme et que je reparte. Comme j'ai pas envie d'utiliser les pouvoirs de l'autre fou, en plus je sais même plus où il est. Je suis dépité. On dirait pas comme ça. En fait, je le suis beaucoup. On évite de faire des bêtises, des choses qu'on pourrait regretter. Allez, donc elle est où Géraldine maintenant? C'est pas encore cette carte. Ah, j'ai tué des oiseaux et mon jeu est content apparemment. C'était un ennemi. Oh punaise. Alors, mon âme, elle est où? Eh bien, on ne saura jamais. Elle est de l'autre côté là-bas. Elle est là. Ok, pour revenir, ça va être facile. Salut! Merci. Allez, on se casse. C'en est assez. C'en est assez, toutes ces bêtises. Par contre, il va falloir qu'on décide un nouveau chemin. Alors, les routes oubliées, ça m'étonnerait. On peut... Ah! On pourrait aller là. Au village des Mantes, j'ai dit que je devais y aller. Ou aller en dessous, là. On n'y est jamais allé aussi. Si, peut-être. Je sais pas. On s'en fout. Allez. On essaye. On va essayer de... Pas tomber dans l'eau, ce serait bien. On va essayer d'aller... On monte, on va au banc. Allez. Allez, on fait ça. Allez, on fait ça. On s'énerve pas et on y va tranquillement. Voilà, voilà. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est encore plus haut, oui. Là, il y a Patrick Buisson. Et là, il y a Monsieur Leban. Alors. Pardon. Nous allons traverser vers chemin pour aller direction je ne sais où. Cette fois on y est déjà allé. Et ça a déjà été compliqué. Et après je suis mort. Non, ici on y est déjà allé. Grâce à la lanterne. Trop de morts parce que je ne regarde jamais en bas. Ah oui, donc là c'est chez les méduses, là. Les folles. Peut-être que maintenant, grâce à mes nouveaux pouvoirs, je peux avancer à Brume Canyon. Alors, note à moi-même, ne jamais toucher les grosses méduses.
sous peine de décès. Alors ici, j'ai peur que ce soit à nouveau la PLS, donc on n'ira pas. Surtout qu'ici, j'ai pas de banc, je crois. C'est peut-être moi qui le loupe à chaque fois parce que je fais quasiment le même chemin, mais... On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ah là là là. Ah oui. Donc ici, on fait comment? Ici, je pense qu'il faudra un truc pour pouvoir aller dans l'eau ou je ne sais quoi. Je ne vois pas d'autre solution. Ah, mais je peux me soigner. Idiot bête. Et ici, on a quoi déjà? On était déjà venu par là, non? Ah, la banquière. Donne-moi mon fric. Elle me l'avait rendu ou pas? Je sais plus. Oui, elle me l'avait rendu. Oui, oui, au revoir, Millibel. Dio, Kalala, tout ça, tout ça. Squalala. Donc là, on va dans les quartiers. Faut que je trouve un endroit pour utiliser mes dash. Et je ne sais plus où c'est ça le problème. Ah oui, bonjour toi. Ça va? Oui. Ah oui, c'est vrai. Et si je te sonde les rêves? Cette petite créature semble savoir, je me demande si je devrais la manger. Les autres dans les aventures étaient terriblement fades. Au revoir. Je veux pas me faire manger. Donc là, c'est la station. Ah, mais on est près du village des Montes. Bon, bon, on y va. Attends, qui dit station dit banc. Qui dit banc dit sauvegarde. Qui dit sauvegarde dit... On repart pas depuis le début. Voilà, petit banc. Merci. Alors, maintenant on va... Je disais, maintenant on va... Soit on monte et j'essaie de voir le passage qui est là-bas. Ah oui, et après je descends et il y a un boss. Écoutez, on va faire ça. C'est au-dessus, si je dis pas de bêtises. On essaye de ne pas faire de bêtises. Dans le monde des champignons. Ce bruit est juste génial. Allez, on poursuit notre chemin au lieu de faire des bêtises. Ah, c'est là-bas. Je suis tombé. Oh oui, les trucs verts. Qui sentent bon la PLS. Comment je peux passer de l'autre côté, je sais plus. Ah, c'est en passant ici, je crois. Et que je retombe. Attends, attends, on va faire ça dans l'ordre parce que... Non, là, c'est en bas déjà. Donc c'est peut-être le niveau depuis le bas. Ça doit être ça. Parce que là, il y a quand même un cadeau. Oh, putain. Voilà. Alors que maintenant que j'ai mon... Oh la vache! Ça va, c'est pas du tout énervant. C'est pas du tout mérité. On recommence. J'en ai marre. C'était pas du tout... Oh, salut toi. Alors si je tape pas déjà dans le bon sens, ça aide pas. Techniquement parlant.
merci. Non, surtout pas. Bon, faut que je monte. Sans activer cette connerie. Je vais être trop bas, je vais tomber. Oh, bah, bien joué. Ok, bon. J'ai enfin mon cadeau. C'est quoi, un journal de voyageur? Ben voilà. Quitte à se faire chier, autant... Autant que ça soit par ça. Ces trucs sont pas du tout dangereux, en fait. Et j'ai perdu mon mana parce que je l'ai concentré et que j'ai arrêté la canalisation, d'accord. C'est bon à savoir pour la suite. Punaise. Maintenant, c'est où? On monte. Oui, donc là, il y avait les deux champignons énervés, qui le sont toujours. Faut arrêter de être bang aussi fort, hein, sans déconner. Ça peut être dangereux pour les... Les cervicales, tout ça. Donc on va où? On monte. En plus, il y a un banc juste à côté. Alors... Ah non, c'était... Oh, je monte pour rien. Voilà, c'était dans l'eau qu'il fallait passer. Bon. Je suis monté pour mourir, c'est déjà pas mal. Bon, on va profiter du banc. Ah, il y a des badges ici, sinon. On se repose. Et on lui achète des choses. Alors, c'est quoi? Si tu as peur de mourir, ce charme te sera très utile. Rapporte-moi tous les jeux que tu auras trouvés. Hein? Ah, c'est pour avoir plus d'argent. Et ça, ça me rendra plus fort. Tes ennemis et tous ceux qui croiseront ton chemin auront enfin peur de toi. C'est pas mal. On va prendre l'argent. On va faire un investissement sur le long terme. Par contre, j'imagine que ça me bouffe de place. Voilà. Comment je vais enlever deux? C'est le seul truc pour avoir une plus longue distance. Bon, on va voir. On va voir ce que ça donne, et puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave, on remettra la longue lame. Ouais. Mais faut pas oublier que j'ai un super pouvoir. Pouvoir charger ma lame et te faire waouh. Waouh. On va là-bas, on va au boss. Peut-être que... Valait mieux ne pas prendre l'argent. Je ne sais pas. Oui! Eux, ils sont cool. Eux, je les aime bien. Et ils donnent moult argent. J'avais oublié les sports. Donne-moi l'argent, Timothée. Pourquoi Timothée? Aucune idée. Et on descend. Et on va aller voir un boss. Parce que ça fait quand même presque une heure que je joue et j'en ai pas croisé un seul, ça fait bizarre. Quand même. On est là pour casser la tronche aux gens. Enfin, je crois. Ou alors on est là pour me voir perdre. Et ça, ça me rend triste. RT vite. Alors. Voilà. Ça sent très mauvais. Entends, mon enfant, pourquoi es-tu venu ici? Es-tu venu pour dompter cette terre sauvage en ruine? C'est U. U l'ancien. Beaucoup d'autres sont venus pour purifier cet endroit, mais éventuellement, tous ceux qui demeurent trop longtemps ici finissent entièrement consumés. Oui, même les insectes sauvages qui se cachent juste en dessous de nous. Autrefois, ils étaient fiers comme toi. Maintenant, ils ne sont plus que des monstres. Oh, au moins c'est dit. Prends garde au rêve de gloire, mon enfant. Retourne de là où tu viens, ne reviens jamais. Défier le rêve. Oui. Ok. Ça va être compliqué.
Enfin, très réactif en fait, par rapport à ce qu'il fait. Est-ce que je tente la chance? Oui. Aïe. Il est plutôt facile. Putain. Dit-il en se prenant un tir. Ok, je me suis tout soigné, ça c'est plutôt cool. Je pense qu'à un moment donné, il va s'énerver un peu plus quand même, non? Voilà. Enfin, j'espère. Oh là là. Il est très long, mais il est pas... Enfin, il est pas si compliqué, quoi. Oh, dommage. J'ai essayé. Ah, mince. Ok, là, il me reste 2 points de vie, il va falloir... Ok, on la joue un peu fine. Pourquoi je dash? J'ai peur de pas être... Faut que j'arrête. Faut vraiment que j'arrête les bêtises. Et mince. J'ai fait n'importe quoi. Charme brisé, quoi? Quoi, charme brisé? C'est des trucs à usage unique, c'est ça. Ouais, voilà. Super, c'était des trucs à usage unique, et on ne le savait pas. Ah, galopin. J'aurais dû me méfier. J'ai dû me méfier, c'était trop bizarre qu'un truc soit autant gratuit, quoi. Par contre, au lieu de prendre des dégâts, on va essayer de se faire un peu de mana avant de partir à la recherche du temple perdu. Punaise, c'est pas possible. Est-ce que c'est par là au moins? Oui. T'es où, Géraldine? Merci. Non, sans déconner, il est vraiment pas dur, c'est juste que faut être attentif. Essayez de plus regarder le visuel que le son en fait. Bien d'essayer de se soigner là. Ok. Je suis parti trop tôt. Oh là là. Mais pourquoi j'étais pas dedans? Bon là oui, mais... On arrête les conneries. C'est pas possible, je fais exprès, là.
Il est très relou. J'étais pas dedans. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Il est long. Faut faire un truc spécial contre lui ou quoi? Oh, j'ai une idée. Ça lui a rien fait. Enfin, peut-être que ça lui a fait des dégâts, mais je le verrai jamais. Allez, vas-y. Prends des dégâts gratuits. Il est quand même sympa de me laisser des endroits libres à chaque fois que je... Ouais! J'écoute. Mon esprit s'éclaircit. Étais-je endormi, mon enfant? Ah, je me souviens, ces fières dames. Étaient-elles véritablement des monstres? Je me souviens d'elles, maintenant intelligentes et vives. Pourquoi les ai-je craintes ainsi? S'il existait bien de la démence dans ce village, c'est moi qui en étais la cause. Elles avaient raison de me chasser. Ah, j'ai loupé un... Bon, c'est pas grave. Elles avaient raison de me tuer, moi. Ah! Eh bien, au revoir. Oui! De l'essence! Cool, je vais pouvoir aller revoir la meuf de l'essence. Nous nous souvenons de l'ancien. C'est U l'ancien. Toujours prendre les dégâts. Voilà le maître des ressorts. Ah, j'avais pas vu qu'on me parlait. Désolé, j'étais tellement concentré. Alors, on en est où? On va aller au village des Mantes. Le banc est loin. Le banc est trop loin, même. Faut descendre tout en bas. Ok. C'est par là-bas. Ok. C'était complètement prévu. Commencez pas. Ah là là. Il avait pas l'air si simple. Ben, on va dire que ces patterns étaient simples. C'est juste moi qui suis trop bête. Entre ça et... J'ai pas envie de jeter tout ça sur la faute du jeu, mais il y a des... Il y a des... Pas des attaques, mais... Parfois, il y a des actions, tu peux pas... Enfin... C'est pas la latence, mais c'est, on va dire, l'exécution qui fait suer, pour être très poli. Parce que Dieu sait que j'aimerais dire autre chose. Allez, on est reparti. On va essayer tranquillement de bouger. Allez. Bonjour. Oui, alors il y a un arbre. Bonjour, l'arbre. Comment on l'active déjà? Ah oui. Eh bien, fais-le. Malgré la simplicité des patterns, il y avait beaucoup de vie et pas forcément beaucoup de fenêtres d'ouverture. Alors si, moi je trouve au contraire que des fenêtres d'ouverture, il y en avait 15 000. C'est juste que j'ai pas réussi à régler mon timing avec le sien, quoi. J'étais plus dans l'esprit de me soigner que... C'est ça le problème avec ce jeu, c'est t'as la possibilité de se soigner, donc on va dire que dans un premier temps, ton cerveau te dit ça serait bien que tu te soignes parce que on sait tous que quand t'as pas de vie, ben, tu risques de mourir. Et puis dans ce jeu, la mort elle est un peu punitive quand même parce que t'as pas forcément envie de repartir à l'autre bout de la terre. Allez, on peut monter, et bien on le fait. Hop. Et on atterrit, oui. Ah oui, donc en fait c'était ici, on pouvait pas monter. Parce qu'on a peut-être pas de double saut, ou peut-être qu'on aura une upgrade. J'en sais rien. Dommage. Bonsoir, bonsoir, monsieur Drainerroi. Je suis désolé si je dis toujours mal ton prénom, mais... On va dire que l'intention est là, quoi. Il y a toujours l'intention. Allez, on retourne au village des Mantes, on va essayer de descendre là, en dessous. J'avais oublié qu'elles étaient reloues. Ah, mais on a augmenté notre aiguillon depuis. Donc ça risque de pas être plus facile, mais... On va dire qu'il y aura moins de dégâts dans la tête.
Alors pour descendre, peut-être qu'il y a une vitre. Ou juste un trou. Il y a un énorme trou, comment je l'ai raté? Comment j'ai pu rater ça? Sans déconner, quoi! Un nouveau monde s'offre à nous. Les explorateurs. Oui, je pète un délire tout seul. Non, c'est un ennemi! Vilaine. Alors, Draney, tu as raté un boss, t'as raté de multiples morts. T'as raté un nouveau pouvoir que je te montre maintenant. Attention à l'exécution. Ouh, je peux dasher. À très très long terme, hein. C'est jusque là, on dirait pas. Qu'est-ce que t'as raté d'autre? Eh ben, tu sais quoi, si t'as raté, tu peux revoir nos replays sur la chaîne YouTube. On les poste. Pas dans la soirée, ou peut-être le lendemain, mais ça sera posté, voilà. Donc tu pourras me voir me croûter facilement sur moult pièges, pas du tout piégeants, comme des mobs qui m'en veulent. À chaque fois, enfin bon, bref, tu... T'étais là la semaine dernière, tu commences à connaître un petit peu le topo de ce jeu, c'est-à-dire le jeu gagne et moi non. Bonjour. Je sais pas du tout où je vais par contre. Par contre, ouais, ce serait bien d'activer tous les mécanismes. Oh là là, oh ça pue, oh ça pue. Oh ça pue tellement. Et il y a un banc, mais loin. Oh ça pue tellement là. Bon allez. J'ai défié. Non! Ah, je suis obligé! Bon, mais bonjour! Les dames mentent. Ok, donc il y a des trous. Alors, je viens de me faire victimiser. Heureusement, j'étais invincible. Bon. On va essayer de regarder les patterns. Donc, ça dash. Ça lance des donuts magiques. Et ça s'en va de suite, mais je peux pas les toucher. Ah si, là, je peux. Le donut magique. En fonction de si elle est en haut ou pas. Ok. Donc ça, je l'ai. Ça, j'ai compris. Là, je pourrais peut-être me soigner. Pas là. Pas maintenant. Du tout. Je peux me soigner sur le donut magique si elle est en bas. Genre, je fais ça... Je me soigne de 1. Ok. Pattern analysé. Salope. Ah, dommage, j'avais pas vu qu'elle était si bas. On l'a osé. On ose, hein. À partir d'aujourd'hui, on ose. Le pire, c'est qu'en fait, c'est que c'est la première. Il y en a deux autres là, derrière. C'est violent. Donut magique, dommage. C'est celui du haut. Bonjour. En bas, merde. C'est pas grave, on se soigne derrière. La musique est cool. Oh! Et d'une, vite! Vite, super gland, vite! Il y en a deux. Oh non, 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 ça pas cool, ça pas cool, ça pas cool. Si elles font les mêmes choses en même temps, ça peut être sympa. Ah, oh, mais j'étais pas dessus, monsieur l'arbitre. C'est elle qui me tombe dessus, en fait. Oui, faites ça, hein, continuez. On se décale. Pas se faire péter la tronche. On se décale. Le donut magique. Ah, oh, punaise. Faut que je me mette sur une... Les nouveaux donuts sont pas très drôles. Surtout que je peux pas me soigner, je crois. Ah, je me suis trompé, tiens. Il me reste un point de vue. La joie. Je m'attendais à une double descente sur ma tête. La musique est cool, 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 la musique est cool. Oui ! Meurs ! Géraldine ! Alors, si j'ai one-shot le boss, je trouve ça cool. Non, pas les trois en même temps, s'il vous plaît. Respect.
Bah, si ma mère, elle le dise, maintenant, j'ai plus besoin de me faire gonfler les chevilles. Allez, on se casse. Oh là là. Allez, on y va. On se calme, on y va. Qu'est-ce que c'est que ce boxon? Pourquoi des morts? Non, il... Ni profond. C'est The Deep Nest. Enfin, je crois que ça se dit comme ça, le niant. J'ai peur. Y a quoi là? C'est la carte! Oui, donne-moi la carte! Cornifère, donne-moi la carte. Oui, je te l'achète, mais je te l'achète 1000 fois même. Enfin, j'aurais pas assez, mais. Oh la carte! Alors, nous sommes dans le Deep Nest. Oh la vache! Oh! C'est la première fois que je réussis un truc sans mourir. Je veux les cadeaux là-haut, par contre. Donnez-moi les cadeaux. Donnez-nous les cadeaux! C'est un quart de cœur! Comment je peux l'avoir? Pas par là. Pas par là. Pas en bas. Ah, oh, peut-être plus tard. Peut-être en passant par autre part. Je sais pas. Ah, on se calme. On se calme. On se calme. On souffle. Allez. Ouais, j'ai pas eu de cadeau. C'est vrai ça. Elles m'ont juste donné un trophée Steam, quoi. Genre, bonjour, tu veux notre trophée Steam? Eh ben, tu nous bats. Mais j'étais obligé de passer par là un jour ou l'autre. C'est complètement con. Allez, ça c'est ma punition pour avoir traité le jeu de con. Je veux bien du mana par contre. L'argent c'est sympa. Y'a pas de soucis. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bonjour! Des scolopendres. C'est toujours sympa un scolopendre, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout, on s'arrête là. Mais moi je veux mon quart de cœur. Comment j'ai mon quart de cœur? Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux boss? Ok, ça meurt pas une deuxième fois. Enfin, ça revient pas à la vie. Comme beaucoup de saloperies de ce genre. J'aimerais bien me soigner. J'aimerais bien un banc. Et toi, tu m'as pas noté le banc, t'es un salaud. Il y a une araignée. Oh! Eh, snipe, la vilaine. Non, 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 ça saute! Saloperie. Désolé pour le gros mot, mais c'est le seul truc qui m'est venu à l'esprit. Oh non! Mais je... Oh, il y avait une sortie là-bas. On va aller là-bas. Oh, mais pourquoi? Pourquoi être si corrompu? On a appris par à nos dépens qu'il faut regarder en dessous maintenant. Je suis énervé. Mais pourquoi il n'y a pas de banc? Genre, tu rentres dans une nouvelle zone, bon, ça serait logique. Henri, t'as sauté, c'est pas cool. Et l'autre qui vient ma... Eh bien, il est mort, sur mes nouvelles... Oh, pique. Ça lui apprendra... Oh, le petit champignon. Merci. Cool. Pas cool. Heureusement que j'ai dit à l'instant, c'est bien de regarder en bas quand t'es sur une corniche, au moins tu vois en dessous. Pardon, je suis loqué. Alors ça, c'est la mort. Non, là c'était le boss. Oui. On retourne de l'autre côté. J'ai écrasé mon visage et personne ne m'a reconnu de côté. Ce qu'on a la référence, bravo. Là, on regarde en dessous. Hein. Oui, surtout là. Hein. Là, on peut descendre tranquille. Je peux pas regarder ma carte quand je rebondis, ce qui est plutôt logique. Non, on va là-bas.
On retourne chez les mantes. Non, on a ouvert tous les passages. J'ai pas. Eh bien, bravo. Tu as perdu. C'était le jeu de la soirée. Tu as perdu. Bravo. Il y en avait qu'un. T'as loupé ta chance. Ah, faut bien que je m'amuse moi aussi. Parce que pour l'instant, je me fais juste bolosser par le jeu vidéo. Merci, quoi. Ce n'est pas quelque chose que j'apprécie, je vous le dis. Même si le jeu est sympa, faut bien que je m'amuse avec vous. Ah. Paf, paf. Oui, on est obligé de descendre. Oh là 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 là. J'espère qu'il n'y avait pas 200, 25 000 euros à gagner. Alors, comment te Je n'ai pas 25 000 euros, ne serait-ce que pour moi. Donc je ne vais pas m'amuser à les refiler comme ça. Après, moi je dis rien, faites des dons à Yvassand, on verra ce qu'on fait après. On fait gagner des lots, des jeux, tout ça, quand on fait des petits events. Pour ça, il n'y a pas de souci. Je tombe, je me raccroche pas du tout à la vie. Au-dessus. Oh là là, bonjour. Ah, mais attends! Maintenant que j'ai respect, elle me tue pas. Elle me dit, oh bravo, vous êtes le maître des mantes. Oh, c'est très fort, merci. Oh ben merci. C'est plutôt sympa. Enfin, le jeu ne veut pas me casser la gueule. Avoue que t'aimes bien te faire bolosser par le jeu. Je suis pas masochiste. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous êtes con quand vous y mettez? Mais regarde, elle me respecte. J'ai même plus besoin de lui dire respecte-moi! Elle le fait toute seule. Il y a un coffre. Oh! Un quart de cœur? Non, c'est un seau d'Alonest tout pourri. Je sais même pas à quoi ils servent. Oh! Un autre coffre. Un quart de cœur? Non, moult boulasse. Monseigneur, nous avons moult boulasse. Ok! Et là aussi? Est-ce qu'il y a moult boulasse? Oh! Se reposer. Oh, un banc! Un banc. Ça fait du bien, un petit banc là, gratuit. Et on peut repartir tranquille, de toute façon elle nous respecte. Offrir des paquets de la nouvelle extension d'Hearthstone. Attends, oula, vous allez trop vite. De toute façon, Yvason, ils ont toujours eu plein de sous qu'ils cachent, complot mondial. Je pense qu'on a été découvert. Ah, par contre, si je les agresse, elle me tape. Je pense qu'on est découvert, vite. On va couper le stream. On va partir se cacher. Je pense qu'on peut plier bagage. Mais pourquoi je passe par là alors que j'ai ouvert tout en haut? Donc il y a eu ça. Je me saoule avec le bruit. Oui, c'est. Je me raccroche à la vie, tout ça. Offrir des paquets, j'ai vu. Je vais dans les pics parce que je suis en train de vous lire comme un mongolo. Au revoir. Sinon, on peut continuer en bas. Oui. On va continuer en bas. Avec les PO, il se dit d'avoir les paquets. Je retombe encore parce que Yvassand a commenté. Bravo, merci patron. Ensuite, je suis respecté. C'est pas faux, mais c'est pour la hype. Oui, on peut. Oui. Pour la hype, tout est quasiment possible. Bonjour, respectez-moi. Oh, elles le font, quoi. Ah, toujours la faute à Yvassand. Ben, oui. Faut bien que ce soit de la faute de quelqu'un. Bon, on va récupérer notre comment s'appelle hein? Notre âme. Et si j'y arrive déjà, si je remeurs par contre, oh, je serai tellement pas heureux, je vais perdre plus de 1000 boulasses. Attends, mais là j'en ai 700 et je vais en récupérer beaucoup. Le mec, il sait pas du tout compter. Donc on va récupérer Géraldine qui est je ne sais plus où. Oui, il y en a qui donnent des noms à certaines de leurs parties, par exemple les Romains. Ben moi je donne un nom à mon âme. Ok, alors ça c'est monstre, c'est vraiment mauvais. Alors. Surtout que j'ai peur de tomber parce qu'ils m'ont fait tomber dans un trou. Avant de me faire. Ah là! C'est ici qu'il y a un trou.
Ok, donc déjà Géraldine. Ce qui est déjà pas mal. Je sais pas du tout où faut aller. C'est ça le problème. C'est j'ai peur de retomber dans un trou. Ok. Non, 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 non. On se soigne. Voilà, j'ai 1400. Je vais pouvoir en acheter des badges moisis. Ou des emplacements de badges. Oh, faut que j'aille chez Madame Gros Lolo. Oui, on l'a renommé comme ça, c'est pas ma faute. Ça, c'est un truc qui va se péter, voilà. Là, y'a rien. Il va y avoir un monstre, là, c'est pas possible. Salaud. Je t'ai vu. Non. Là, y'a un monstre. Mort. J'ai peur, en fait. Vraiment. Donc, je pense qu'il y avait peut-être d'autres choses là-bas. Mais ce n'est pas grave. On veut le banc. Chacun son délire. Ah oui, pour... pour autre chose, voilà. Faut pas écouter toutes mes conneries. Hein. Ah, je peux pas monter. Bon, bah c'est pas grave. Et si on descend, est-ce qu'il y a un banc? Il n'y a pas de banc. Et par là... Non, là, on... je pense qu'on va descendre dans les entrailles du nid profond. Mais elle retourne dans le sol, c'est de la triche. Oh là là. Donc en fait, ça, c'était vraiment le côté qui servait à rien. Ou alors, il y a un truc caché. Et je ne l'ai pas vu. Ok. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus de monstres. Ok. Ça fait très peur ce jeu vidéo quand ça veut. Je suis habitué à force. Et c'est pas gentil. Moi je fais tout pour faire tout en même temps. Oh! Alors on va aller là quand même. Parce que ça. Je sais pas. Je me dis qu'il y a bien quelque chose de spécial. Ou alors c'était simplement le bon chemin, et que comme j'ai beaucoup de skills, ça se voit au fil du temps. Pas du tout. Il y a bien un truc à péter là, non? Non, c'est juste, il n'y a rien. On va aller là. Je sais pas du tout où je vais. Hein. Ah! Ça veut dire que dans Hollow Knight, tu peux pas faire de cabane, bah non. Là par contre, je peux pas m'accrocher. Donc je tombe vraiment dans le nid profond. Je suis tombé dans des sources... Oh, le banc, le banc. Attends, je récupère mes âmes, on va arrêter de s'exciter. Le banc, voilà. Ah, on est bien. Et je suis tout en bas. Bon, soit. Eh bien, vu qu'on a trouvé un banc, on va faire une petite pause. Hein? On va faire ça, 5-10 minutes, le temps de boire un coup, tout ça. Boire de l'ice tea, pas commencer à picoler parce que sinon j'ai pas fini. Allez, à tout à l'heure. Comment on fait? Comme ça, paf. On reprend tranquillement. Donc on est tombé dans des sources chaudes. Et les sources chaudes, c'est la vie. Littéralement, ça rend des points de vie. Et en plus de ça, bah, ça rend du mana. Bon, oh là là, c'est quoi ces trucs qui passent sur l'écran, là, ça me plaît pas. Eh ben, on va descendre, voilà. De suite. Genre, au revoir. Ah oui, donc, deepness, c'est vraiment très deep. Oh, examinons. Le corps sans vide, hein. Quoi ? D'un garpède. À ne pas confondre avec un garpé. Voilà. Allez, on s'en va au lieu de dire des conneries. Mais on dort pas, nous. Mais quoi? Ah, réveillez-vous. J'ai jamais dit réveillez-vous. Si, j'ai dit ça.
Je me rappelle même pas de ce que je dis comme connerie. Ah, je peux pas y aller. Nota bene, ne pas aller là-bas. Donc on remonte. Hop. Alors là, ça va être compliqué, là, en vrai. C'est possible ou pas? Ce n'est pas possible. Fallait passer de l'autre côté. Idiot bête que je suis. Et un coffre. L'argent, l'argent. Ah. Est-ce que je peux passer? Ah non, c'est un mur. Oh, punaise. Scolobombe. Il y avait des coffres là-bas. Tant pis. C'est toi qui l'as dit. Eh bien, soit. Faites votre vie sur le chat. Et maintenant, on va où? Oh non, me dis pas qu'il faut... Bah si. Je suis trop phare. Est-ce que je reprends du mana en tapant dessus? Évidemment que non, sinon ça serait trop simple. J'aime pas la musique, elle s'énerve. Non, 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 mais non, mais non, mais pourquoi tu perds toujours 2 points de vie? Ça m'énerve. Elle veut pas que je regarde le stream. Alors j'ai failli me prendre les pics du plafond. Et là j'arrive pas à remonter. Donc c'est la merde. Pff, tant pis, je tente. Ah mais j'ai un point de vie. J'aurais pu reprendre ma vie là-dessus. Je vais trop vite. Je vais plus vite que la musique. Non, 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 non. Oh mon dieu de merde. Pardon. Oh non, faut monter maintenant. Dis-moi qu'il y a un cadeau là. Oh, du mana. Le mana, c'est pour avoir de la vie. Mes retours samedi, ça va faire du... Ah. La bière, les falaises et les roues. On peut faire ça? Alors, pas comme ça. Oh, on peut pas faire ça non plus. Bon. Mais j'ai tapé dessus! Mais pourquoi? Pourquoi je n'y vais pas? Je vais mourir! Non, non, c'est une vanne. C'est une vanne, sans me déconner, quoi. Ça va, le salon de thé, tout ça, je vous dérange pas. Ah ben bravo, mets l'état d'esprit. Bon, comme moi, je suis en train d'essayer de me débrouiller dans ce monde idiot. Ça discute bière, roux et Irlande. Bravo. Oh. Ça, c'est complètement ma faute. Faut souffler. Faut souffler et rester calme. C'est tout ce qu'il faut. Faut que j'atteigne l'autre partie sans mourir, en vrai, là. Ça c'est vraiment la grosse blague, ça. Mais je peux pas remonter, mais c'est insupportable, je peux pas grimper au mur, merde! Super, j'ai perdu une deuxième âme. Et je suis sûr que j'ai perdu la première maintenant, et j'ai perdu tout mon fric dans tous les cas. Ça franchement, ça c'est ignoble. Si
j'ai vraiment perdu tout mon fric là, là par contre je vais criser. C'est, ça va vraiment pas m'amuser. Surtout que maintenant, ben je suis énervé. Non mais c'est une blague quoi, j'arrive même pas à passer le premier obstacle. Ah, ça m'épuise. Si j'ai pas d'autres mots, ça m'épuise là. Mais c'est une vanne ça! Et allez, je redémarre du début! Comme si ça suffisait pas quoi. Comme si c'était pas assez relou. Ça qui va me suivre, qui va me tomber sur la gueule, voilà. Oh non. Bon, ça me gonfle. Sans déconner, ça commence à me gonfler. Ouais, je pensais que nous étions amis. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai perdu tout mon fric. Genre, adieu les 1400. C'est quoi ça maintenant comme monstre? C'est une araignée qui a pris possession d'un corps de... Ça fait flipper maintenant. Je tue un monstre, il y en a un autre qui ressuscite. Bon, je veux pas que ça se passe comme ça. Genre ça, si je le tue, ça va devenir une grosse araignée dégueu. Non, non, non. Il y a des toiles partout, il va y avoir des araignées, je peux pas là. Je réponds plus de rien, en fait. Oh non, non, il y a des... Oh non, 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 il y en a sur les... Oh putain. Il y en a sur l'écran et tout, je peux pas. Non, là, 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 ça me plaît pas. Ah, putain, il y en a partout, c'est dégueulasse. Là, je vais criser, par contre. Si vous avez jamais vu quelqu'un criser, ben voilà. La musique est ignoble. Les monstres sont dégueulasses. Et je vais bientôt entrer en PLS. C'est dégueulasse, je me concentre sur ce que j'ai à faire, pas sur ce que je vois. Non, mais non, mais c'est dégueu. Non. Non, 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 non. Je vais faire une crise. Non. Faut vite que je quitte cet endroit de merde. Tant pis, je rush. De toute façon, j'ai plus d'argent, je m'en fous. Ok, on se casse. Non, non, mais il y en a encore là. Non! Bon, alors, par contre, arriver à tuer un monstre, ça pourrait être sympa un jour. Sans décoller. Ok, ça va ressusciter. Casse-toi, 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 casse-toi. J'ai juste demandé de partir, elle l'a fait. Non, mais il y en a partout, elles sont dégueu, elles sont sur l'écran, mais. Mais je veux pas, là! Je veux pas rester là-dedans. Je vais me chier dessus. Littéralement. On se casse, je veux pas passer du temps là-dedans. Je veux pas. Je le refuse. En vrai. Quand t'es arachnophobe, bah tu peux pas. Là, je peux pas. Qui se moque de moi? Elles sont dans les vidéos.
sur les réseaux sociaux, sur la toile, MDR. Oh non, non, je peux pas, c'est... Oh, je peux pas. J'y arrive pas. Ça me stresse du plus haut point. Je sais pas où je vais. C'est de la poudre... Non, c'est pas de la poudre de perlimpinpin, c'est des araignées de merde. C'est quoi, ça? Ok, une larve qui vole, qui fait d'autres larves. Tramway délabré, ouais. Alors, par contre, de pouvoir les taper à travers le mur, c'est plutôt le bon plan. Mais c'est encore le tramway... Ah, je peux rentrer dans le tramway délabré. Oh, y'a un banc. Oh, hé, salut. Klaus, cette zone entière grouille de créatures dangereuses qui mortent, brûlent et grattent. Je pensais tester ma force sur elle, mais maintenant que mon audace m'a quitté, je me sens fatigué et endolori. Oh non, elle a plus d'audace, mais quelle audace. Alors on fait de suite ça. Est-ce qu'on doit repartir dans les méandres de la merde? J'ai bien peur que oui, malheureusement. Non mais j'ai peur là, en vrai. Ça me fait flipper. Je sais pas où je vais, là. Je sais. Donc, en fait, on est venu là, déjà. Mais on est descendu de suite. D'accord, oui. Donc, en fait, j'aurais pu visiter le banc beaucoup plus tôt. Ouh, allez, on souffle un coup et on... On prend ses couilles par la taille et on y va. Hein. Mmh. Ils vont tous ressusciter, je le sais. Voilà. Je savais, c'était obligatoire. Ça sentait la salle bien creepy, bien dégueulasse. Là, genre, et regarde, on va tous ressusciter, MDR. Et il en reste. Elle est tombée du plafond. Ah, il y en a une autre, on s'en va. On peut pas aller là. Cassez-vous, s'il faut, ça va s'ouvrir quand je vais toutes les tuer. C'est ce qu'il faut espérer. Il y en a plus? Ok, j'ai entendu le bruit. D'accord, c'était ça. C'est qui? Oh non, pas toi, toi, ça pue encore plus. Oh, un cadeau. Un quart de cœur, un quart de... Une idole du roi. C'est la première fois que j'ai ça. Je suis pas un idole du roi. Bon, on va essayer de sauver l'autre con en essayant de se sauver nous-mêmes. Hein. Ça va? On n'est pas agressé par 15 millions de trucs? Ok, cool. Et toi, petit lourdeau maladroit? Oh, il m'énerve. Merci. Non, c'est l'autre que je... Ainsi, le royaume dissimulait ce sombre nid fourmillant de prédateurs mortels. Eh bien, le prédateur le plus féroce de tous est arrivé. Vous autres, le redoutable. Oui, t'es vraiment un con, toi, voilà. Ouh, putain. Pourquoi j'ai choisi cette zone? Pourquoi j'ai pas choisi ailleurs? Est-ce que le jeu voulait vraiment que je vienne dans cette merde? Parce que j'ai pas d'autre mot. Toi, tu vas te relever, c'est ça? Oui. Je sais même pas où je dois aller, en vrai. Ça me ferait vraiment peur, en fait. Bon, on va retourner au banc. On va valider la carte pour voir ce que ça donne. Et s'il faut que je reparte dans les méandres de la bêtise, que je trouve un boss, et que j'essaye de me dépatouiller comme je peux pour avoir un métro et me barrer, on va le faire vite, c'est parti. Je suis vraiment pas chaud. Donc là, j'ai dévoilé toute la carte. Enfin, toute. Sauf une. Une irréductible bout de carte, peuplée de saloperies de Gaulois. Ah, j'allais dire c'est nouveau ça. Par contre, que ça me le fasse tomber sur la tête, oui, c'est nouveau. Est-ce que le tramway délabré, c'est le nom de la zone ou c'est vraiment là où je suis? Oh putain! Ce Kamehameha, c'est de la déjection en boîte. Voilà. Ok.
Les bruits sont insupportables, la musique est... Il n'y a pas de musique. Par contre, j'arrive plus à parler parce que je suis énervé et j'ai peur. Par contre, il semblerait que nous retournions sur quelque chose de plus... urbain. Dit-il en voyant des larves à la con. Ok. On va ramasser l'argent parce qu'on en a plus. Hein, voilà. Parce qu'on s'est tout fait bouffer par toutes les conneries du monde. Faut être pas du tout poli. Oui. Ah, je peux le casser. Oh, des cœurs bleus. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu de cœur bleu. Il est où? Reviens ici, Jean-Yves. Ok, nous avons des cœurs bleus. Ce qui est à la fois rassurant, à la fois flippant. Parce que tu dis, qui dit cœur bleu dit la merde. Bon, on n'est pas obligé de tous les tuer. Je veux juste réussir à démarrer ce tramway. Qu'est-ce qu'il y a là? Laissez passer de tramway. Oh, oui. On a le laisser passer. Ah. Et j'ai pas fini, 38. Non, mes cœurs bleus. Non, mon deuxième cœur bleu. Bon, par contre, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez avec vos merdes. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Je vous somme de cesser, messieurs, dames. On se casse, on se casse, on se casse. On peut pas partir par là. D'accord. Je suis obligé de revenir. Ok. On y va, on y va. On y va, 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 on y va. On fuit, on fuit, on fuit. Mais ça fait des bruits dégueulasses! De toute façon, qu'est-ce qui fait pas un bruit dégueulasse dans ce jeu vidéo? Les vrais diront moi, les rageux diront moi aussi. C'est aussi bien tenu que la RATP! Ce type. Allez. Ah. Allez, il y a moins d'araignées. Mais par contre, je sens que je vais devoir y retourner un jour. Ça par contre, ça me plaît moins. Mais par contre, j'ai le laissé-passer du tramway. Mais c'est où déjà que je peux l'utiliser? J'ai oublié. Et on n'a pas trouvé de Jean-Yves... Comment il s'appelle déjà? On l'avait... Je sais même plus comment on l'avait appelé. Notre métro, là. On n'a pas de métro. C'est quoi ça, cette icône? Je m'en souviens plus. Elle est où, ma légende? Le mec, il veut tout. Et maintenant, quoi? Il n'y a pas une légende? Alors, par contre, il y a un gros boss là-bas, au fond. Est-ce que ça vaudrait pas le coup... Masquer... Ah, un cocon. Oui, donc, c'est les papillons bleus. Ok, je réfléchis vite. Je réfléchis peut-être trop vite, même. On va... Vu que je déteste cette zone... J'aimerais bien le ting-ting-ting de quand tu sautais au-dessus des gros vers en les frappant avec ton épée. Ouais, j'aime pas. Alors, moi, je veux plus. Donc, on va essayer de... Oh là là, je parle trop vite parce que je suis pas très bien. Je stresse. Je stresse à mort. On va essayer, donc, je disais plus calmement. Je vais dire ça plus calmement. On va essayer... Plus 1, XZ au passage, j'ai pas su le moment où t'es mort, j'ai été déco, mais tu cherches pas à récupérer ton âme. Alors, je suis mort au moins 3 fois. J'ai perdu mon âme. Alors, ce qui s'est passé. Parce que bon, tu suivais. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu mon âme avec 1400. Oh, ça pue le boss. Avec 1400. 1400 de flouze dessus. Ensuite. Je suis remort, donc j'ai peur d'avoir perdu mes 1400 pour toujours. Et je suis remort encore derrière, donc j'ai décidé de passer sur autre chose. Donc Galien veut combattre, oui, allez, on combat Galien, voilà, ça te fera plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une faux. Qui roule? Qui roule? Ok. Il y a une physique particulière. C'est une homing. Ok, c'est une homing. Donc on a juste à... Est-ce que si je me... Je sais pas.
Elle est au Ming. Ça, c'est pas moi. Oh là là. Je peux rester là? Je ne peux pas rester là. C'est pas grave, la carte est mise à jour et on peut y aller facilement. Allez, on se décourage pas. Les gens sont avec moi. Et je reste pas en PLS. Pardon. La foi, elle est homing, donc si je reste près d'elle, je sais pas si elle rebondit de suite. Attends, faudrait qu'on voit ça après. Dès qu'on est dessus, ça sera plus simple. Alors d'abord Géraldine, après lui. Allez, c'est parti. C'est surtout que j'étais déjà entré en deuxième phase, en fait. Ah, mais je comprends pas la faux, en fait. Elle est au Ming, mais je pense qu'elle a ses limites pour freiner. Donc si je fais un en avant, un en arrière, ça peut passer, sauf quand elle s'arrête. Il y a un petit disque blanc, il faut y faire attention. Merde. Par contre, si je prends des dégâts sur le boss lui-même, c'est pas ouf. Et j'ai pas le temps de me soigner. Ah merde, ben... J'ai pas vu dans quel sens elle était partie. J'aime bien ça, ça... Ça papote tranquillement dans le chat pendant que je suis en train de me faire écraser la gueule. Il y a zéro encouragement, que dalle. Bravo, merci. Le mec qui demanderait toute l'attention du monde. Juste pour un boss à la con. Ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Comment vous voulez que j'ai la foi ? Sangoku, il a bien demandé l'aide aux gens hein, pour faire un Genki-Dama. Hein. Je pense que si je fais un Genki-Dama, moi, ça sera de la taille d'un petit pois, mais bon, c'est pas grave. Le premier coup de la foi est toujours très surprenant. Après, si j'arrive à contrôler la foi en pétant la gueule à l'autre... Ah non, mais ça c'est pas possible, ça, monsieur. Mais putain! Elle s'est arrêtée, elle a repris, ça m'énerve! Et Dieu m'a pas donné la foi parce que je l'aime pas. Je suis... Mais attends, comment elle s'appelait? Ophélie Winter. Quel idiot! Vous êtes idiot! Vous êtes idiot et bête, voilà ce que vous êtes. Oh punaise. Vous m'énervez, vous m'épuisez plus que le boss lui-même. Avec la faute complètement random du fion là. Attends. Et voilà, c'est bien ce que je disais. Je ne peux plus récupérer mon âme là-bas parce que ben j'en avais perdu une autre. J'ai donc bien perdu 1400 boules. La joie. Alors le premier coup, on y fait gaffe, voilà. Non mais s'il te plaît, si toi aussi tu me fonces dessus. Non mais arrête. Eh hey, mais please quoi! Mais merde! Le boss il me fonce random dessus en mode... Eh salut! Oh vas-y ça m'énerve.
Ça y est, je tilt. C'est pas normal. Non, là, là, c'est ça m'énerve. Là, je suis pas bien. Déjà de me dire que j'ai définitivement perdu mes 1400 boulas, ça me rend très chafouin, hein, pour parler pas du tout vulgairement, et ça m'énerve, là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis très énervé. Et quand tu es énervé, bah, tu fais pas les choses comme il faut. Donc le boss, je le fais pas du tout comme il faut. Putain de merde. Allez! En plus, je rentre dans la deuxième phase assez facile, j'imagine. S'il faut, il y en a une troisième. Mais je comprends pas pourquoi le boss me fonce dessus. Il est censé flotter dans les airs comme un gentil petit fantôme à la con de merde. Qu'est-ce que... Alors la faux, elle m'a fait une... Elle a fait un faux mouvement. J'en ai marre. Voilà, ça c'était gratuit. Ça c'était gratuit. Alors non, pas du tout, c'était pas ce bon bouton. C'est pas grave. Parce que je peux pas me soigner. Oh, vas-y. Allez, finis-moi. J'ai pas le temps, voilà. Alors se soigner, c'est vraiment de la merde. Et ça commence vraiment à m'énerver. Genre bien vraiment, quoi. Et se calmer, c'est compliqué. Vous êtes tous des enfoirés. Oh, vous m'aidez pas. Mais c'est pas grave. Un jour, ma maman, elle a dit qu'il vaut toujours mieux compter sur soi-même. Eh bien, c'est ce que j'essaye de faire, mais... Mais quand on te met beaucoup trop de bâtons dans les roues, eh ben tu tombes et tu te fais mal. Eh ben là j'ai mal. Ah, par contre je peux faire ça. Baf! Est-ce que ça va changer quelque chose, ou Schmilblick? Paf! Non, pas du tout, parce qu'en plus, ben, je me prends le boss. Oh là là, mais c'est faux, mais elle est chiante. On soigne. Oui, j'ai pu me soigner. Deuxième phase. Cette faux, elle est débile. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est juste complètement con. Tu veux pas mourir? Ah bah oui, bah il y a une troisième phase. Bah oui. Bah oui. C'est évident ça, monsieur l'arbitre. Et je reste en dessous parce que je me dis pourquoi pas. Meurs, s'il te plaît. Meurs, Jean-Yves. Allez, en plein dessus, sinon c'est pas drôle. Ah, vas-y, ça me saoule. Il devra avoir plus de vie, ce gros bouffon. C'est vraiment la zone la plus merdique que j'ai jamais traversée. On peut pas avoir deux phases comme tout le monde, non. Fallait qu'il en ait trois. Puis il y en a quatre, sinon c'est pas drôle. Il y a bien quatre roues, un carrosse bien merdique. Ah, je suis énervé. T'étais pas loin, je pense. Oui, alors, oui, mais non. Dans ma tête, c'est tu rates. C'est rien à foutre qu'il ait un PV ou pas, c'est encore plus frustrant qu'il ait un PV. Ah. Allez, dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. Par contre, démarrer avec ça, ça peut être sympa. Allez. Mais elle rebondit comme une... tarée. Vas-y, bah viens toi aussi me faire des câlins, j'apprécie. Oh, vas-y, ça me saoule. On va perdre là.
Voilà, merci. C'est débile. C'est complètement random et je déteste le random. Sur tous les boss, il y avait des patterns qui étaient définis. Et là, ils se sont dit, tiens, et si on mettait un truc random, tu vas voir, ça va être amusant, ça va casser complètement le rythme du jeu. Ah ben oui, pour le casser, ça le casse. Hein. Ça casse même autre chose. Mais bon, faut que je reste poli, apparemment. On est au combien de try le 28e? Parce que ça commence à tantiner à me gonfler. J'ai pas envie de passer la soirée dessus, en fait. Tu vas me dire, au moins, mon fric, il est... Cette fois-ci, au moins, je peux le garder. Moi aussi, je vais gueuler un bon coup, tu vas comprendre. J'ai toujours pas compris comment elle fonctionnait. Comment elle fonctionnait, MDR. Bon, ça me gonfle. Eh, sans déconner, c'est... C'est insupportable. L'autre qui te fonce dessus parce que c'est gratuit. T'as aucun moment où tu peux te soigner. L'autre, putain, mais... Oh la vache! Comment ça prend la tête? Mais vas-y, mais reste-y au sol, c'est plus pratique, oh là là, putain! Mais c'est même pas drôle de recommencer 26 fois, en fait. Le jeu, il veut pas me dire, non mais c'est bon, t'es complètement nul, on te laisse le passer sans même le tuer. Moi ça me va, hein. Le pire c'est que je peux passer devant, mais... Il y a un truc en fait au fond de moi qui s'appelle la fierté. Qui est bien bafoué, bien écrasé. Sous les pieds, sous la faux de cet enfoiré de boss de... Con. Il m'énerve. Mon dieu qui m'énerve. Allez, c'était gratuit le premier tir, hein. C'est passé sur tous les autres tries, là, fallait pas que ça passe, parce que sinon, c'est trop simple. Ça, c'est chiant. Et quand on est bloqué, on fait comment? Eh ben, on meurt. Sinon, c'est pas drôle. L'autre folle qui arrive, là. Toi, oh vas-y, ça me saoule, sans déconner. Quoi. Si tu perds un point de vie, t'en perds 18. Mais tu peux pas te soigner, allez, vas-y. Je peux le refaire plus tard. Mais pas forcément, parce que si le jeu m'a indiqué d'aller ici, c'est qu'il y a une bonne raison. Et la bonne raison... C'est ça, là-bas, au fond, là, le truc blanc. Je pense que c'est pas du tout anodin, en fait, cette connerie ici. Si elle me donne rien, je vais tellement hurler. Après,
Après, c'est pas compliqué d'y aller, mais c'est... C'est relou. Dernier essai. Non mais sans déconner quoi. Oh là là. Je comprends pas le fonctionnement. Voilà, je comprends pas. C'est je comprends pas comment ça. Je comprends pas comment ça agit. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas où c'est qu'il faut que je sois. Je comprends pas où. Où ça va arriver. Je comprends pas pourquoi le boss il. Il vient en bas, enfin. Je comprends pas. Putain, on passe des mantes religieuses à ça, quoi. C'est. Y'a rien eu entre rien. Allez, vas-y. Je comprends pas, parfois elle rebondit genre super loin. Parfois elle est pas au Ming, parfois elle est au Ming, je comprends pas. Là elle rebondit trop loin, tu sais pas pourquoi. Ah putain! Ça me saoule. C'est vraiment une zone qui veut ma mort. Elle veut ma mort mentale et elle veut ma mort physique. Allez, c'est la DRDDR, je crois que ça fait au moins un quart d'heure que je suis dessus, ça m'énerve. Faut passer à autre chose. Pour le bien de la vidéo et pour mon bien-être. Parce que là, je n'en peux plus. Mais là, je comprends pas. Vas-y, descends-moi dessus. Je te dirai rien. C'est pas grave. Mais putain, mais c'est pas possible, quoi. Mais pourquoi il descend? C'est une blague. Ah, ça par contre, je prends.
Ça va peut-être m'aider en vrai. J'en ai... Pourquoi je l'ai pas fait avant, sans déconner? Pourquoi j'ai pas mis ma fierté de côté avant? Les vrais diront que je triche. Et les faux aussi. Allez, ça c'est fait. Je savais plus dans quel sens elle allait. Lui, il vient me coller, ça m'énerve. Oh, allez, c'est parti. C'est la fin, là. Je te dis, parfois, elle rebondit, parfois, elle rebondit pas. Allez, meurs. Meurs, meurs, meurs. Meurs, s'il te plaît. Oh, putain, c'est pas trop tôt, quoi. C'était facile, je l'ai fait en un coup, en plus. Je m'en fous, casse-toi, allez. C'est bien, c'est très bien. Voilà, au revoir. On t'examine, c'est bien. Au revoir, on a fini. Plus jamais je reviens ici. Plus jamais. Bonjour. Ok, bon ben. Pff. On va se calmer. Où c'est que je vais maintenant? Le banc, c'est même pas la peine. Ça fait deux fois que je vais là-bas, ça fait deux fois que je me fais avoir. Et il y a le retour des araignées sur l'écran. La joie, la joie. Et je meurs là-dessus. Oui. Ah, j'arrive pas à me calmer. Je suis trop énervé. Ah, quand je pense à l'argent que j'ai perdu. J'aurais pu m'acheter des badges pour me défendre. J'aurais pu acheter des badges pour avoir peut-être plus de vie, j'en sais rien. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait que les quarts de quart. Par contre, je viens du mana. Maintenant que tout ce bordel est terminé, je suis tombé. Depuis tout à l'heure, elle va me tomber dessus. Non. Elle est où? Elle est où? Ah putain. Où est mon âme? Elle est restée avec le boss MDR. Ma vraie âme. Ok, on arrête, on se calme. Alors... Draenei, je pense que c'est pas le moment de remuer le couteau dans la plaie. Parce qu'on est tous d'accord que ce boss sert à rien. Voilà. Il y a des araignées partout. Je prends sur moi pour... Oh putain, c'est dégueulasse. Je prends sur moi pour essayer d'avancer. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, alors un nouveau monstre, et puis il est gentil. Il me fait recommencer depuis le début. Il m'empêche d'avancer. Il faut que j'apprenne à faire quelque chose contre ça. Qu'est-ce que c'est que ce monstre?
Ok. Si tu peux sortir des pics, merci, ça m'arrange. Alors. Deuxième combat contre le monstre bizarre. Ah, je peux faire ça. Recule. Pourquoi il recule? Oh la vache! Ah mais il cogne à deux! Ah mais sauf que ça sert à rien que je me soigne deux. J'ai pas le choix. Oh oui! Oh mais y'en a partout, c'est... Ça a failli me tuer. Cette zone est insupportable, sans déconner quoi. Waouh! Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces merdes encore? Bon, des nouveaux monstres encore. Je vais faire une crise cardiaque. Je pense que j'ai plus trop le choix maintenant. Oh, larve aux merdes! C'est vraiment tout ce que j'aime là, des araignées, des trucs casse-couilles. Ok. Ça pour un 9 rance que je sais même pas à quoi ça sert. J'ai plein de trucs, je sais même pas à quoi ils servent. Non! Ah, je peux lui toucher le cul. Pour ne pas sortir du contexte. Ça fait un peu le fuyard, mais j'ai pas trop le choix. Allez! Ouvre ta sale tête! Salaud. Non! Allez-vous-en! Pourquoi elle a demandé 4 coups et pas 3 comme toutes les autres? Non, 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 non. Je veux pas. Je veux pas rester là. Maman, viens m'aider. C'est vraiment dégueulasse. Je sais même pas où je vais. Non, là je retourne au début, très bien. Sauf que je suis pas allé tout en haut. Parce qu'il y a un larveau merde. Quelque part. M'appelle à l'aide. Je suis tombé. Le jeu il a lagué, vous avez vu. Alors vos merdes, t'es où? Aïe. Oh la vache. Non, non. Le piège de merde. Non mais qui a le droit de faire ça? À un enfant. Non. Et sans déconner, ça devient chiant. Il y a des pièges partout. D'habitude ça m'aurait fait rire, là. Là ça m'amuse plus du tout.
Ah oui, alors en plus ils te disent, excuse-moi, il y a des essences là, tu veux pas aller les chercher? Oui, j'y vais de suite, voyons. J'ai 2 points de vie, je me sens vraiment bien dans ma culotte. Y'a quoi là? Des pièges. Oh non, y'a ça. Ne pas tomber dans. Oh, y'a un truc dans le trou. Ah, je suis mort! Bah oui, bah j'avais oublié que j'avais pas de vie. Sinon, c'est pas drôle. Et on recommence. Depuis l'autre bout du monde. Voilà. Surtout des bancs, n'en mettez pas partout. C'est plutôt sympa. Eh mais la zone est grande en fait. Ah ouais. Ok, on réfléchit. On réfléchit, on réfléchit. On réfléchit vite, on réfléchit bien. Déjà on va faire ça. Vu qu'on a des problèmes de vie, on va essayer la prochaine fois de prendre un quart de cœur. Je crois qu'il nous en manquait qu'un seul. Afin de récupérer notre vie. Non, notre petit point de vie en plus. Sauf que... En attendant, on va utiliser des points de vie factices. N'est-ce pas? Enfin, en espérant qu'ils soient là, parce que bon... Malin comme le jeu est, Ah, c'est bon. Je n'ai plus très malin. Comme ça, moi, je peux utiliser 3 points de vie gratuits. Il y en avait un autre plus loin, mais j'avais pas envie de risquer ma vie pour 2 autres points de vie, tant pis. Puis c'est long, c'est juste que c'est trop long à voir après. Eh merde, si déjà j'en perds un comme ça, on va pas aller loin, c'est moi qui vous le dis. J'ai pas envie que la vidéo soit indigeste. Alors déjà que les 20 minutes de l'autre enfoiré m'ont mis à terre... J'imagine même pas vous en tant que spectateur comment ça a dû être relou. Non, pas maintenant. Y'a pas un moyen plus simple de les. J'ai tué un truc. Y'a pas un moyen plus simple de les tuer. Parce que ça, c'est un peu long. Ça demande 4 coups, donc peut-être 8 coups même. Ok, ça demande 10 coups. C'est plutôt fort. Ça va, je trouve. Ça va, je trouve. Niveau digestion. Super, heureusement qu'on a entendu le coup qui partait, parce que sinon, j'aurais eu aucune preuve que ce jeu me voulait vraiment du mal. Il y a un piège quelque part. Je le sais. Ouais, mon transit est nickel, très bien. Nous sommes tous très heureux de le savoir. Retrouver le transit d'Orest tous les jours à partir de 19h. Alors, le bourriner comme ça, c'est peut-être la pire des idées, mais bon, après, on dira ce qu'on veut, hein. J'ai essayé de parer en même temps... Enfin, de parer, de lancer une attaque pendant qu'il fait son... Ah, oh, il est là, le larve, merde. Il manquerait plus que ça soit un faux, et j'ai tout gagné, là. Mais pu... Non, mais c'est une blague. Mais y'en a encore! Allez! Mon âme!
Oh non, je vais encore perdre du fric. Ça va m'énerver. Où est mon âme? Elle est là. Elle est par là. Il y a des pièges. Je tombe. Merci. Alors ça, c'est dégueulasse, par contre. Mon âme est au-dessus. Donc celles que j'ai déjà prises sont plus là. Mon âme. Non, mon âme. Mon âme, elle est où? Oh oui! Je peux mourir en paix. Enfin, j'ai pas envie, mais... Donc on a été là. Ramassez-les toutes, ramassez-les toutes. Oh, pas de fuite. On se soigne. D'ailleurs, on va pouvoir aller revoir la dame aux essences un jour. Un jour, hein, parce que... Elle m'avait dit, reviens que t'en auras 200, j'en ai 400. Donc bon, c'est mignon, mais... C'est pas ma faute. Je suis pris par le jeu et le jeu me dit d'aller à des endroits où j'ai peur et que j'ai des PLS du cerveau et... Et les araignées, ça commence à bien se passer, même si, enfin, ça va pas bien dans ma tête, quoi. Il y en a partout, quoi. Ok, donc ça c'est l'entrée. Ah, mais il y a une araignée! Non! Bon, c'est pas grave, j'avais du mana. On va dire que c'est le jeu qui m'encourage à utiliser mon mana. Oh non, ça c'est pas cool! Ok. Non! Faut que je remonte! Désolé. Mon skill légendaire a encore frappé. Voilà. C'est pas ma faute, il faut que je les prenne toutes. Ou tous, je sais pas. Ok. Il en reste encore beaucoup. J'avais oublié qu'il y avait ça. Donc là, on en vient. Où c'est qu'il y en a d'autres cachés? Il y en a une là. Ok. Il n'y a plus de vie, lui. Et il n'y a rien? Ah si. Là, j'ai vraiment cru que j'étais vraiment venu pour rien. Et ça allait vraiment m'énerver. On rentre. J'espère qu'il va pas falloir refaire tout l'arbre. Et que j'ai pas fait une bêtise. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tanière du tisserand. Oh, c'est une araignée. C'est quoi? C'est un boss? Ça pue le boss. Non, please, s'il vous plaît, je... Non, ça sent le boss à plein nez, ça. Redescends, s'il te plaît, cocotte. Merci. Ça ressent le boss, mais genre le boss, genre le maître de l'âme...
Non, c'est pas ça que je voulais faire, tant pis. J'ai vraiment peur que ça soit un énorme boss, sans déconner quoi. C'est quoi ça? Bon, écoutez, faut que je la fasse, à part des couilles géantes, à quoi ça ressemble? Mais y'a rien. Ah. Non, non! Oh mon dieu, comment j'ai fait? Et encore une offrande. Donc si je suis venu ici juste pour un 9 francs, c'est quand même bizarre. Oh, oh, ils disent des choses. Ou s'il faut, je suis juste en train de les activer petit à petit et je vais m'en vouloir. Pour protéger. Et pour protéger quoi? Princesse. Ouais, je veux bien les protéger une princesse, mais... Oh non. 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 Dis-moi que t'es pas une ennemie, s'il te plaît. Pourquoi j'ai pu ressortir? À quoi ça servait? Est-ce que tous les monstres sont venus? Je suis plus dans l'arbre. Tous les monstres sont venus. Sinon, c'est pas drôle. Je suis désolé. Je suis très têtu comme garçon. Mais je pense que venir ici, c'est pas anodin. Je pense réellement qu'il y a un truc à faire. Bon, mais y a rien. Y a vraiment plus rien. C'est bizarre, je pense vraiment pas que... que ça n'ait aucun sens, quoi. Ah, et puis faut que je refasse l'arbre et tout. Ah, cette zone, elle est vraiment relou. J'aurais passé ma zone. Bon, enfin, mon... les trois quarts du live à rester dans cette zone à la con, quoi. Alors on s'en va, et on verra ça plus tard. C'est un autre symbole de l'araignée. Pas grave, au revoir. Ok, ensuite, je sais pas. Mais... punaise. J'essaie de chercher un banc là, je réfléchis pas. Oh oui, je veux aller là-haut. Comment on fait? Bon, on peut pas. Faut monter. Apparemment, faut monter. Et je ne fais que descendre parce que je suis tombé.
dans l'eau. Non. 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 C'est une zone inconnue, ça. Non. Ah, donc elle descend jusque-là, de la montagne et pas à cheval, quoi. Je n'en peux plus de cette zone, la con. Ok, cool. Fait cool. Oh, c'est un raccourci de jeu pour aller je sais pas où. Est-ce que c'est là où j'étais pour monter? Il y a un autre. Il y a des raccourcis partout. Ou alors j'avais juste pas le choix et il faut que je descende par là. Je sais pas. Ah oui, bah c'est là où on était, ok. Donc déjà, une bonne nouvelle, c'est que je peux réatteindre les hauteurs plutôt vite. Oh putain, c'est pas possible. Je m'en fous, je m'en fous. Ok. Mais là, il doit bien avoir un ascenseur. Je suis sûr qu'il est bloqué par toutes ces araignées à la... Ah la bêtise. Oh mais on peut rentrer là. Il y a quoi là? Je vais mourir. Il y a un magasin. Je vais mourir. On se casse. C'est glauque. On retombe. C'est bien de retomber, j'adore. On entre. Il y a un banc? Ou il n'y a pas de banc? J'ai cru que le jeu avait planté. Oh! C'est un piège. Si je suis mort. D'accord. Est-ce que c'est game over total ou est-ce que j'ai juste perdu? Ok, faut que je me débatte. Pour pas me faire bouffer par l'araignée. Allez! Allez! Ah, ça y est. L'antre de l'abeille, tu. Non, mais là, c'est l'araignée assurée, en fait. Là, c'est. Là, c'est même plus. Il y a même plus de suspense, il y a rien, quoi. Puis il y a ça. Mi araignée, mi casse-couille. Allez, un dernier coup, mon petit. Tu es bien aimable. Et maintenant, on va où? Mais je veux trouver un banc, moi. Oh, oh, oh. Ah, c'était pas des pics, c'était un trou. Paf. Je ne sais pas où je vais.
Mais je... Y vais... Ça servait à rien. Il y a des trous partout, je sais pas où je vais, tralala. Là, il y a un cadeau. Un journal du voyageur. Oh non, un soda luna, c'est pire parce que... C'est pire, c'est du même niveau, je sais même pas ce que ça fait. Hein. Donc alors, on est venu là, on a tué le machin. On remonte. Donc parfois, aller dans les trous, c'est plutôt une bonne chose. N'y voyez aucune connotation, s'il vous plaît. Ah putain, il y a vraiment des araignées partout. Quoi. J'essaie de me dépêcher. Je réfléchis pas forcément à me soigner. C'est pas bien. Parce que j'ai vraiment pas envie de mourir. Et là, il y a quoi? Il y a un bonus. Voilà, il y a 9 rances ou je sais pas quoi. À quoi servent les rances? Je vous le demande. Les rances servent à m'emmerder. On s'ennuie, ça pue le boss, s'ennuie. Il y a un larveau merde qui traîne. Il n'y a pas de truc caché ici. Ah! Donc il me voit. Il est là, le larveau merde. Voilà. Je voudrais trouver. Un petit banc pour m'asseoir 5 minutes avec vous. Mais je ne peux pas parce que le jeu ne veut pas. Pourquoi je fais que chanter, j'en ai aucune idée. La 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 la. C'est peut-être pour évacuer le stress. Le stress parce que ça sent le boss. Ça sent le boss araignée. Et Dieu sait que je déteste ça. Le seul boss araignée que j'ai kiffé, c'était dans Twilight Princess et je pouvais l'écraser avec un énorme marteau. Ce qui était plutôt jouissif. Non mais là, c'est où on va, quoi. Aïe! Thierry Henry. Mais tu chantes bien, à quand un live karaoké? Oh, ce qu'il faut pas entendre. Personne ne veut voir ça. Mais personne, quoi. Ok. Oh, oh là, oh là là. Attends, me dis pas que c'est l'esprit, là. Ah, mais si. Bonjour. Un rêveur endormi est étendu sur le socle de pierre. Paf. Moi, si, pour rigoler, salaud. Entendre plutôt, en l'occurrence. Ouais, pff. Ah, nous revoilà dans le monde des rêves. C'est un boss, c'est un cap, non, je sais pas. Faut le taper. Attends. Eh ? Lié pour la couvée pour enfant. Et puis bientôt ça sera quoi S'il vous plaît, c'est pour manger les bébés. Allez, au revoir. Et maintenant, on fait quoi ? B, canaliser, allez. Oh, j'absorbe son âme. Mais pourquoi je fais ça? Est-ce que la théorie qu'on est encore le mal et on essaie d'éclater le bien tient toujours? Sachant que les créatures du mal seront peut-être les créatures du bien, et... qu'est-ce qui se passe? Ting. Et maintenant, alors j'ai fait exploser quelqu'un qui dormait, je me suis retrouvé dans des rêves pour le tabasser. Bait. J'ai débloqué le succès bait. Ah, et donc le premier truc de... Ah, il disparaît complètement. Et sa gueule derrière. Je comprends pas. Est-ce qu'on est vraiment le mal et on est en train de tuer le bien pour délivrer encore plus le mal? Et donc, toutes les bêtes qu'on tape, ce seraient des gens du bien? Je ne comprends pas. Un peu à la Bayonetta, vous savez, où on est des sorcières et on tabasse des anges. Je ne sais pas. C'est particulier comme ambiance, comme jeu. Ah. Oh, y avait moult argent, là.
Alors, vous avez discuté. Et maintenant, boss, est-ce qu'il y a vraiment un mal et un bien, ou alors tout ça n'est que subjectif? Non, ça, c'est, ça frôle la... Ça frôle la psychologie. N'importe quoi. La philosophie. Et je tombe dans le trou, parce que sinon, c'est pas drôle. Je peux pas me reposer, là? Non. On n'a toujours pas trouvé de banc, hein, soit dit en passant. T'as un peu tabassé un individu immobile qui ne se défendait pas, donc à partir... Ouais, ben ouais. Mais c'est pas la première fois. C'est ça le pire. Oh, si, c'est la... Enfin... C'est le premier des trois, mais après... Je sais pas où on va. Je sais pas du tout où on va. Oh, bonjour, Henri. Allez, un dernier coup pour mamie. Non, c'était pas le dernier! Oh mon dieu. Je sais pas compter. Allez, viens là. Paf. Oh, du mana. Bon. J'aimerais bien trouver un banc pour... terminer le live. C'est pas la première fois qu'on parle de tabasser un mec immobile. Mais non, pff, je vais encore passer pour un monstre. Je suis pas comme ça. Je suis doux comme un agneau. Et avec un sale caractère. Alors par contre, on est bloqué. Ou alors je suis perdu. Ou les deux. On est bloqué et perdu. Ah non, c'est peut-être là. Et les araignées, vous commencez à me saouler. Oh, tout ça pour du pognon. Je vais pas cracher pour le pognon parce que... Regardez, c'est les âmes que j'ai perdues tout à l'heure. Oh là là, mais c'était... Oh, c'était cocasse. Sans déconner, c'est où la sortie? Cette zone, elle m'aura fait chier jusqu'au bout, y a pas d'autre mot. Et là, c'est quoi, ça? Y'a rien. Et là, y'a quoi, là? Y'a rien. Sans déconner, faut aller où? Je vais juste m'asseoir sur un banc et arrêter de jouer. Moi, je pense que ce jeu, c'est un peu l'histoire d'un groupe d'amis qui a trop bu tout le monde étant comme éthylique. Et les pouvoirs de l'alcool à à relier les différents esprits. Dans un plan parallèle, tu dois aller tabasser. C'est difficile de jouer en même temps. Tu dois aller tabasser tous tes amis pour les faire sortir de leur coma et pour finir le lien supprimé. Pense que c'est plausible comme explication. D'accord. J'approuve cette idée. Apparemment, si... Si beaucoup de gens sont d'accord, pourquoi chercher une histoire au jeu? Par contre, si vous voyez la sortie, dites-le moi, quoi, parce que je tourne en rond, je trouve du sou. Mais alors, je tourne en rond. Non, 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 non! Ah. Où est la sortie? Ah, ça, c'est intéressant. Le monstre meurt, mais je prends quand même les dégâts. Non, il n'y a rien, là. Ok, j'ai failli tomber. Mais là, je remonte. Là, il y avait l'arbre merde. Mais où est la sortie? Ah, peut-être là-bas? Je sais pas du tout. Aidez-moi, trouvez-moi la sortie. Aïe. Non! Non! J'ai pas fait ça! Ah si, je l'ai fait. Mais je réapparais où? Oh non!
Où est mon âme? Non, non, alors non, on va arrêter les conneries de suite, sans déconner. Ok. C'était là ou pas? Ça pue ça comme champ de bataille, il faudrait que je saute pour m'échapper. Ça peut le faire. C'est vraiment une idée à la con que j'ai là, sans déconner. Ok. On est full vie, c'est un peu plus... Ah, rassurant. Ok. Où est mon âme? Où c'est que j'ai osé perdre mon âme? Putain, mais sans déconner, j'ai fait ça, quoi. J'ai osé perdre mon âme. Oh la vache. Là, là, je suis énervé, là. Attends, mais l'arve aux merdes. Elle est par là. J'entends son bruit. Elle est où? Je peux descendre en sécurité? Oui. Ok, on entend là. Oh. Non, on se soigne. Non, s'il vous plaît, je veux pas mourir là maintenant, quoi. Elle est là. Ok. Mais comment on repart d'ici? Est-ce qu'il faut que je refasse mon... Mon dard du sommeil sur... Parce que c'est là où je suis mort, oui. Et donc, en fait, je tourne en rond. Attends, peut-être là. On n'y est pas allé, là? Si? Non? Regarde, il y a moult boulasse. On n'est pas allé là. Casse-toi, André. Putain. Non, non, on va pas voir André. Je veux pas remourir. Ah, j'ai peut-être trouvé la sortie. C'est là. Mais dites-moi... Un banc! Un banc! Un banc! Oh, monte-moi la carte, vite. Non, la carte... Non. La carte. Ok, on est dans le village lointain. Faut qu'on se barre, faut qu'on se barre de toute cette merde. Faut que j'arrive à sortir du... Ah! Ah bon, fais-moi le malin. Oh oui, je vais jouer avec leur crâne. Salaud, salaud, salaud. Attends. Ils disent rien. Ah, j'ai trouvé. On sort de là. Et on arrête. Ça suffit pour aujourd'hui, les bêtises. Normalement, il y a une... Il y a un métro pas loin. J'aimerais bien aller au métro. Ah! L'ascenseur est là. Ok, on va là et... Et on a le... Alléluia, j'adore. Ben moi j'aime pas, voilà. 250, vas-y, ruine-toi. Oh, on va faire un peu d'achat maintenant. On fait un peu d'achat et j'arrête. J'ai fini la zone. Enfin, je crois. Le pire, c'est qu'il reste des larves aux merdes. Alors, village lointain, c'est mort. Repos éternel, c'est pour aller voir la vieille. On va aller voir la vieille d'abord. Pour les essences, si je dis pas de bêtises. J'espère qu'elle est pas très loin. J'ai pas envie de me taper 8 heures de marche.
Je commence à retrouver espoir. Non, elle est juste à côté. C'est quoi ça? Ça, c'est un banc. La cassette, on s'en fout. Pourquoi tu adores? Réponds. C'est quoi ça? Est-ce que c'est un truc que je débloquerai plus tard quand j'aurai beaucoup d'essence? C'est peut-être ça. Je sais pas. On s'est fout. Elle fait du bruit génial, quoi. Oui, 200 essence, oui. Avez-vous cette grande porte? Ah, ben oui, ben c'est celle que... Je suis la seule personne de ma tribu qui respire encore. Cela signifie que je n'ai pas besoin de culpabiliser. Ah, ben voilà, ben, elle nous a ouvert la porte. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Oh, la porte est ouverte. Là-bas, écoutez attentivement et vous pourrez entendre les paroles d'insectes depuis longtemps disparus. Alors comme ça, vous avez rassemblé 300 essences. Ah, je constate, en effet, que les rêves de cet ancien royaume commencent à s'attacher à vous. Ceci est très encourageant. Nul doute que vous avez rendu mon travail ici plus excitant. Être la concierge de cet endroit n'a pas été un travail très stimulant pour... Tu m'étonnes. Cependant, je ne devrais pas me plaindre. Je dois m'occuper de toutes ces tombes et guider l'illumineur. Donc, je suis l'illumineur. Prenez cette breloque et vous, pour vos efforts et venez avec 500 essences. Ouais, un minerai pâle. Oh! On va aussi aller voir la le forgeron. Vous êtes con dans le chat, c'est abusé. C'est quoi ça, la clairière des esprits? Il y a un coffre. Les insectes au sein de cette clairière sont sous ma protection. Traitez-les avec respect et vous pourrez rester. Mais si vous levez votre aiguillon contre eux, vous aurez affaire à moi. D'accord. Et si je fais ça? Non! Elle nous martyrise! Mais qu'est-ce que... Je ne vais pas toucher à cette madame. Je vais aller récupérer mon flouze. On n'est pas très loin, c'est pas grave. Donc je vais... Est-ce qu'on fait la zone maintenant? Non, on se la garde, mais... Faudra absolument que je me le note sur un papier, quoi. Qu'il faut que j'aille là, quoi. Quoi? N'est-ce pas, quoi? 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 Géraldine le signe. Allez, on se casse. On ira plus tard quand on sera pas à poil, mais presque. Ok, donc, elle, elle demande 500 machins. J'ai un minerai. Le minerai, il est où le forgeron, vous savez? On sait jamais, je préfère vous le demander. Bon, on va aller à Dirtmouth pour faire nos courses. Attends. Non, on va pas aller à Dirtmouth. Si, on va aller à Dirtmouth, mais pas par là. On va débloquer le tramway. Alors, on se fait bolosser par les forces de l'ordre. On va dire ça comme ça. On va débloquer le tramway. Au moins, ça sera fait. Je suis long, en fait. J'ai pas envie de m'arrêter. Quand je suis lancé dans un truc, j'ai pas envie de m'arrêter. Ou alors je me note sur un papier. On continue. On continue par là. On débloque le tram, on va faire nos courses. Mais il faudrait, pour les courses, aller voir la grosse. C'est pas gentil pour elle, je sais, mais... Ou alors j'achète des quarts de cœur. Voilà. Avec mon laissez-passer. Mais si, je veux le mettre dedans. Oui. Comme ça, au moins, j'ai débloqué le tramway. Ok. Et le tramway, il nous amène où? J'ai une bonne question. Allons dans le tramway. Est-ce qu'il est nommé Désir? Ce serait cool, quand même. Genre, Désir le tramway. On peut se reposer. Il y a la radio. On se repose. Examiner. Appuyez sur le bouton lumineux. Ben, tous les jours. On appuie tous les jours sur des boutons lumineux. Clic. Ok, il n'y a que deux... Il n'y a que deux endroits. Et donc là, normalement, je reviens aux terres... oubliées, ou je sais plus quoi. C'est ça. Par contre, je suis un peu loin. Ça... Ah, mais il y a la grosse. Ben, c'est parfait.
Ok. Alors, faudrait qu'on se garde. Je sais plus combien c'est le. Le. Ces monstres sont nouveaux. Ah, elle, elle est géniale, elle. Si on peut se garder un peu d'argent, juste à peine, pour s'acheter un quart de cœur, ça pourrait être sympa. Ah, vas-y, fais du bruit, Miss Boobs. Oh putain, elle est géniale. Alors. Ah, déjà, on prend ça. Voilà, ça, c'est bien. Ensuite, on va acheter... Canalisation rapide. Le cristal qui se trouve au milieu est vraiment très joli. Que les cristaux peuvent vous aider à vous concentrer. Oh ! Alors, cruel dilemme. Soit, je vous laisse le choix, donc écoutez s'il vous plaît. Soit on prend ça, sachant qu'on n'a pas trop la place pour l'instant dans notre inventaire, pour canaliser plus vite, c'est-à-dire, je pense, se soigner plus vite, ce qui peut être sympa. Soit on va acheter un quart de cœur. Et on achète deux de ces trucs-là. Donc, à vos claviers, il y a Laurence Boccolini dans le jeu. Oh, c'est pas gentil. Oh, c'est vraiment... Les dégâts. Mais ça, c'est pas des dégâts, ça. Ah, ça veut dire qu'on garde les dégâts et qu'on va acheter des quarts de cœur. Moi qui comprends pas, aussi. Alors, on va aller acheter les dégâts. Enfin, pas les dégâts, mais la survie dans ce cas-là, parce que les dégâts, pour l'instant, je les ai pas. Alors, attends. Par contre, on peut faire ça. Avec le 1, on peut activer... Qu'est-ce qu'on peut activer? Ah, l'arvomerde. Comme ça, on a plus d'âme quand on prend des dégâts. Et ça, c'est cassé, ça m'énerve. C'est exactement ça. Bon, alors, eux, ils font mal. J'espère que je vais arriver en vie. Ah, c'est nouveau, ça. Mais pourquoi ils sont tous contaminés, là? Ils étaient pas contaminés avant. Qu'est-ce que c'est que cette merde, encore? Je suis énervé, ça y est. Bon, quand est-ce que je suis pas énervé? C'est surtout ça, la vraie question, mais... Où c'est qu'on doit aller? Ah, le métro, il est loin. Oh la vache. Bon, c'est pas grave. On va au métro. On fait nos courses et on quitte le jeu. Ça fera quand même beaucoup pour la soirée. Hein. C'est pour, on va dire, réparer mes erreurs sur le boss de merde. Alors, c'est pas par là, mais je voulais me mettre là pour esquiver les mouches. À la con. On se casse. Ok. Tu les as pollués. Quoi? Alors, excuse-moi. Alors déjà que j'ai du mal à parfois comprendre ce qui se passe. Si en plus, je n'écrivais pas français. Pollué. Ah, mais avec quoi je les ai pollués? Avec ma rage? Avec mon sel de tout à l'heure? C'est ça que vous voulez dire? Vous voulez me faire culpabiliser maintenant? Bande de salauds. Le banc. On est toujours heureux de croiser un banc. Oh. On va dire Tmout. Est-ce qu'on a délivré des larvomerdes depuis tout à l'heure? Je pense que oui. Donc on va aller d'abord chercher l'argent chez les larvomerdes. Et après... et après on va acheter. Ça fait un peu long, mais au moins ça sera fait. Hein. Mais arrête de pleurer. N'utilise pas Isaac comme ça. Bon, ok, Isaac fait que chialer, mais quand même. Un, je crois. Alors, un, je crois, c'est quoi? Il faudrait une émote larve aux merdes. Eh ben, je veux pas dire de bêtises. Mais je crois... J'ai bien dit, je crois que Mister MV sur son chat a une émote de la larve aux merdes, mais je sais pas comment il les appelle. J'ai complètement oublié. Ah, mais ça devient chiant là maintenant pour aller chez
Chez les larves aux merdes. Est-ce qu'ils sont contaminés aussi? Ça m'étonnerait quand même. Comment ils les appellent les... Je sais pas. Oui! Oh oui! C'est tout! Bon, ben j'en ai vraiment délivré qu'un, quoi. Comment ils les appellent, Monsieur MV, c'est leur vos merdes? Je ne sais pas. Je m'en souviens pas. Parce que je sais que MV, ou Monsieur Mister MV, je sais pas s'il préfère... Bon, on s'en fout. Je sais pas si... Je sais qu'il a fait une run de Hollow Knight. Que j'ai trouvé très cool. C'est pour ça que j'ai préféré le faire aussi de mon côté. Mais je sais plus comment ils les appelaient, les larves aux merdes. J'en ai aucune idée. Alors, est-ce qu'on a une carte ou un truc du genre? Parce que moi j'aime bien les upgrades de cartes, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Mais voilà. Ah, une épingle de tramway. Pour me montrer où sont les tramways. Alors, je la prends, mais elle est pas très utile parce que ça se voit quand même sur la carte. C'est juste que j'aime bien tout débloquer. Et maintenant, on va au magasin, on achète un quart de cœur. On achète un morceau de perle. Parce que je sais pas ce que c'est. J'espère que ça coûte pas trop cher. 150 le quart de cœur, mais putain, j'aurais pu le fermer tellement avant. J'aurais pu même acheter le truc pour canaliser la vie. Vu que ça coûtait 800. Protégé. J'ai 6 points de vie. Ah, le prochain quart de cœur, par contre, il coûte boule. Alors, ça, c'est quoi? Ce charme t'aura invincible plus longtemps après avoir subi des dégâts. Vertu beaucoup de géos dans les cavernes. Ce charme récoltera pour toi les géos que tu perds en chemin. Bref. On va prendre ça, parce que je sais pas ce que c'est. C'est un réceptacle. On va prendre... Ah, ben... C'est quoi? Âme entière. Je sais pas ce que c'est. Et on va acheter le plus cher, allez, voilà. Il faut bien acheter des badges, parce que comme ça, au moins, la madame, elle nous... Et après le forgeron, merci. Ouais. Merci de m'y avoir fait penser, mais je sais plus où il est, donc il va falloir chercher sur notre petite carte. Petite carte, petite carte, petite carte. Alors, ce n'est pas ici. Si, c'était bien là, en fait. Attends, parce que... Hop, on va enlever le petit point bleu. J'aime pas les points bleus. Une âme de secours, tu peux perdre deux fois ton âme, peut-être. Alors ça serait vraiment génial en soi. On aimerait. Hein. Bah oui, on aimerait. Comment je fais pour avoir la carte dans le jeu? Comme ça. Alors. Vers chemin. Il n'est pas vers chemin. Routes oubliées. Il n'est pas routes oubliées. Il n'est pas chez la vieille. Il n'est pas au mont cristal. Il est où? C'est ça là? Le forgeron? Ça a l'air d'être un marchand qui est au fond du trou du cul du monde, hein, sans déconner. À la cité des larmes. Ça me dit rien. Il n'y a pas un autre... Non, ça c'est le décès. Non, je vois que c'est que ça. Bon, on va à la cité des larmes. Hein. Ça risque d'être long. Oh, pff, ça fait déjà 20 minutes que je vous retiens. Mais au moins, j'ai envie de le faire comme ça, moi, la semaine prochaine. On part sur la caverne bizarre. Et après, j'ai aucune idée d'où c'est qu'on pourra aller. Voilà. Ah merde! Entrepôt de la cité, peut-être? C'est là? Je sais pas. Est-ce que c'est là? C'est bien là où on voulait aller, c'est déjà pas mal. Alors, il y a un arbre, on le fera pas. On va sauvegarder. Au pire, on quittera devant ce truc pour dire « Hey, regardez, il y a un arbre !» Comme ça, on ira à 500 et on ira voir la voyante. On peut faire ça. Allez, on fait ça. On va d'abord aller chez le forgeron. Et s'il y a un banc de... Non, il n'y a pas de banc de forgeron. Et en revenant, on s'arrêtera... Ouais, on fera ça. Bonjour. Ah
On se dépêche. J'ai pas envie de perdre temps. Bon, c'est bien, on a 6 points de vie maintenant. C'est un oiseau. Non, merci, l'oiseau. J'ai dit rien d'autre. Ah, mais t'étais caché derrière le panneau. Alors, si par contre on meurt avant. Je ne veux pas mourir avant d'avoir atteint le machin quand même, ça serait mal. Ça fait mal aux fesses des pics comme ça. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Apparemment, ça parle de vécu là. Hein. Allez, on descend. Et il y a un banc en plus en bas. Et sans déconner, je suis en train de prendre Bagdad sur des monstres à la con. Ah, mais il y avait Quirrell par là. J'aime bien cette zone. Faut que je fasse monter. Je fais n'importe quoi. Et j'assume, hein, complet. J'essaie de me dépêcher. Ou pas, j'ai une bonne imagination. Ouais, enfin, pour ça, on appelle ça quand même... C'est un peu l'imagination de la vérité. Quand même. Ça sort pas comme ça. De l'au-delà. Allez, on va chez le forgeron. Ouais. Ça relève du fantasme. Ah oui, alors là, c'est autre chose. Attends, mais depuis tout à l'heure, on peut faire ça? Oui. On peut pas du tout. Le pauvre Draneil. Qu'est-ce qu'on l'emmerde. Oui. Et oui, on peut faire ça, en fait, pour voyager plus vite. Je sais pas pourquoi j'y pense pas assez. Peut-être parce que j'essaye de ramasser des géos aussi. Allez, on va chez le forgeron. On va augmenter notre arme et ça va être... Oh, s'il demande de l'argent, par contre, c'est la mort. Oui. Mais pourquoi ce jeu, c'est la baise? Eh bien, on s'en va. Oh, j'en ai marre de ce jeu. Pourquoi du sucre? Après, j'ai produit tellement du sel que c'est devenu du sucre. C'est étrange. Bon, et notre rond, là, c'est quoi? C'est trop bizarre. Aïe! Ah, mais attends, le rond, il s'est rempli! Donc, c'est de la baise. Ah, c'est nul. Ah, c'est nul, le réceptacle, c'est nul. C'est nul, c'est la nullité, voilà, on s'assoit ici devant la. Devant la. Dans la. La pluie et on dira que c'est nul, que là c'était très très nul. Alors en fait, le petit rond que j'ai à côté de ma barre de mana, c'est juste. Ouais, voilà, c'est pour avoir de l'âme en plus. En soi, ça peut être bien pour se soigner de beaucoup, mais là, je m'en fous littéralement, quoi. Bref! Merci pour de nous avoir suivis cette soirée, ça fait plaisir, il y a eu beaucoup plus d'interactions, donc venez, hein. Revenez la semaine prochaine, on se fera un plaisir de rediscuter avec vous. On vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine, je sais pas si ça sera mercredi ou jeudi, on verra. Et suivez-nous, n'hésitez pas, vous avez eu toutes les plateformes en bas à gauche de votre écran. Qui tourne en plus, c'est joli. Ouais. Sans déconner, on fait les choses bien, non? Allez, sur ce, rendez-vous jeudi 21h, Ivasand l'a dit, donc j'ai plus qu'à me déplacer. Allez, au revoir, bonne soirée!